Salut les petits loukoums! J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour débuter ensemble une nouvelle aventure. J'avais envie de petites choses qui nous font du bien, qui nous font penser à quand on était enfant ou ado, hein, voilà. Et du coup, j'avais envie de me replonger dans les chevalets de Baphomet. Donc c'est vrai que j'aime beaucoup le 2. Est-ce que c'est à cause de l'araignée tout au début qui m'a traumatisée? Je ne sais pas. Mais j'aime énormément le 2. Donc on va se lancer. On va se lancer. Au niveau du son, on est bon. C'est parti. Ce doit être là, la maison du professeur Houbier. C'est franchement sinistre. J'avais quitté Paris et je n'avais pas vu Nico depuis près de 6 mois. Je voulais faire une petite fête pour nos retrouvailles, mais Nico avait d'autres plans. Un rendez-vous avec un archéologue. Une histoire de Pierre Maya sur laquelle elle était tombée en faisant des recherches pour un article. Le type qui nous ouvre n'a pas vraiment l'air d'un archéologue. Tout d'un coup, j'ai un mauvais pressentiment. Je n'ai pas mis le son, donc je disais, c'est le drame, l'araignée arrive. Je trouve que par rapport à l'écran, l'araignée est énorme. Bon, donc bien sûr, hein, voilà, on va regarder la bibliothèque. Je regarde la bibliothèque en espérant y trouver un guide du style « Comment se débarrasser d'une énorme araignée venimeuse quand on est ficelé à une chaise ?» Rien de ce genre, malheureusement. Mais je remarque qu'un coin du meuble est maintenu par un morceau de bois. En même temps, les mains attachées, ça va être un peu compliqué de trouver un... d'ouvrir le guide, hein. Alors, je crois qu'ils ont enlevé dans les remasters le fait qu'on puisse mourir, parce qu'à l'ancienne, à un moment, elle arrivait vers nous et nous mordait, hein, voilà. Donc là, bah, on va taper dans le pied en bois, voilà, et tac, plus d'araignée. J'y suis allé un peu fort, mais c'était une question de survie. Un peu fort, bon, alors, avec des grosses araignées, on n'y va jamais fort. Une chaise dans une maison en flammes et sans aucun moyen de m'échapper. Tout à fait. Donc là ensuite, prochaine étape. Alors ça, je m'en souviens beaucoup. Hein. Après, quand on commence à avancer dans le jeu, je m'en souviens plus du tout. Coucou Scorpion Z, comment tu vas? Merci beaucoup Elon Moff pour le follow. Bienvenue sur la chaîne. J'espère que tu vas bien. Et comment ça, grosse araignée? Je dois m'occuper de cet incendie. On l'a écrasé. Est-ce que tu vois le truc là? Tu vois? Et ça, c'est l'araignée. Donc tu vois, si un jour tu vois une grosse araignée chez toi, eh bien, obligatoirement, tu as une bibliothèque. Et obligatoirement, tu écrases l'araignée avec la bibliothèque. Si tu n'as pas de grosse bibliothèque, c'est mort. Bah ça va super, Lone Wolf. Ça va super. Quoi de prévu aujourd'hui? Oui, c'est dégueu. C'est dégueu, mais en même temps, est-ce que tu préfères ça plutôt qu'elle soit là?
Quand tu vois les vidéos là avec les grosses araignées et tous les petits œufs et toutes les petites toiles et tout en haut, ah! Bon, faut brûler la maison, hein. De toute façon, si c'était pas la bibliothèque, elle mourrait par le feu, hein. Donc voilà. On va prendre la corde. Tout effilochée. Ah, elle ne ça me ne sert à rien. Donc là, il faut qu'on empêche le feu. Et en fait, dans les initiaux, parce que je pense que les remasters. Ok, écartez-vous, je vais gerber. Les remasters, je crois qu'on peut plus mourir. En fait, on pouvait mourir de deux manières différentes. Il y avait l'araignée et le feu. Tu te promènes avec mes chiens et toi, bah c'est cool. Tu te promènes dans un, t'as un parc à côté de chez toi ou même une petite forêt, un petit truc. Bah moi, du coup, c'est stream et puis ensuite on repart sur Elden Ring. On repart dans la souffrance, bien sûr. Souffrir, c'est très important ce jour férié. Alors, je crois qu'il faut ramener les trucs. Il faut ramasser, pardon, les différents petits objets. La pointe de cette fléchette est plus acérée que le dard d'un frelon. Mais je la prends quand même. Et il faut en faire un... Ah, il faut réussir à faire un extincteur, en fait, pour survivre au feu. Ah, t'as une forêt juste derrière chez toi, c'est cool, ça. Bon, j'espère que tu n'as pas de chasseur ou autre dans la forêt. Avec un énorme cœur devant. Ça, c'est un gros... Que les goûts de Nico ont sacrément changé pendant mon absence. Ce serait une grosse angoisse, ça. Mais elle pourra peut-être me servir. Parce que c'est sympa, les balades en forêt, mais bon. Et avec les choses qui se passent... Un peu inquiétant. Ah, dites-moi si vous entendez bien les dialogues et tout. Hein. Ou si vous voulez que j'augmente le son. Alors, je ne sais plus ce qu'on a pris. Qu'est-ce qu'on a comme objet? On a un rouge à lèvres. C'est très important, bien sûr. Un vase. Pourquoi on a un string? Lingerie exotique. Alors, pardon. En quoi c'est exotique? Il n'y a rien. Là, il y a quoi? Tiens. De la tequila. Eh ben, on prend, hein. Normalement, je ne bois pas d'alcool fort. Mais aujourd'hui, rien n'est normal. Quel goût infect. Non seulement cette tequila a un goût atroce, mais en plus, j'ai failli avaler une verre de terre. Voilà. Alors, Il y a un petit truc gluant. Ouais, c'est dégueulasse, ça. Je me souvenais plus, ça, du verre dans la tequila. C'est le verre de la bouteille de tequila. Bon appétit, bien sûr. Hein. Il n'y a pas des bouteilles où il y a des serpents ou des trucs comme ça? Je crois dans les tequilas, justement. Sympa comme couple. Je crois qu'il faut qu'on avance. Et normalement, on va trouver une espèce de flacon de pchit. Ah, voilà, c'est ça. Ce siphon n'a plus de pression. Alors moi je dis, meilleure idée, on met de la tequila dans le siphon et on vaporise sur le feu. Je pense que ça l'éteint. C'est sûr. Pas question de vérifier si l'araignée habite toute seule là-dedans. Oui, j'avoue que bad idea de prendre la boîte, hein, bien sûr. Je trouve qu'il s'approche vachement près du feu quand même. Hein. Alors, je crois qu'il faut mettre de l'eau. Ah oui, d'accord, dans le siphon, il n'y a rien. Il faudra mettre un truc dans le siphon. Je crois que la fenêtre est fermée. Impossible de briser ces barreaux. Ouais, tout à fait. Dans le sac, il n'y a plus rien, hein, si. J'ai déjà mis à sac le sac de Nico. En plus, hey, cette couleur ne me va pas du tout. L'autre fenêtre, hein. Ouais, ok. Ah bah oui, il y a des barreaux. Donc on s'en fout qu'elle soit fermée. Jean-Mi, par contre, il va falloir te fixer quelque part, mon chat. Tu sais que je t'aime, mais... Qu'est-ce qu'on peut faire? La corde, il veut pas. Ah, le crochet métallique. J'ai besoin de ce crochet. Ah, pas du tout. Je n'ai pas le temps de me reposer. Ok, et la corde? La corde est tout est... Ok, donc il va falloir qu'on mette ensemble des objets. Est-ce qu'on peut regarder ça? C'est le rouge à lèvres de Nico. Ce n'est pas ma couleur préférée. Et ça me rappelle certains clowns. Les clowns. Le pot contient une clé. Ah, voilà. Très intéressant. Alors, je pense que ça va être pour ouvrir l'espèce de petit placard là qu'il y a à côté du feu. Mais ouais, c'est dommage qu'ils aient pas gardé ça. Avant, il y avait un petit timer. Et si on mettait trop de temps ou avec le feu ou l'araignée, on mourrait en fait. La clé est trop grosse pour entrer dans cette minuscule serrure. Ah, c'est peut-être juste la clé de la porte. Donc en fait, oui, ça ne sert strictement à rien ce que j'ai fait. C'est pas le verre qui va nous en... Ah, attends, est-ce que ça... Je me souviens qu'il y avait un truc avec le string.
Oui. Qu'est-ce que tu regardes en haut? Qu'est-ce que je peux faire? Donc, attendez, il y a ça. Il y a le feu. Ah, peut-être que le feu va nous... Je me demande comment je vais pouvoir fabriquer un extincteur. Exactement, il y a... Ah, si j'avais eu le temps de boire mon café à l'aéroport. Oh, ah, d'accord, ok. Faire pipi sur le feu, très bonne idée. Donc, la clé, c'est la clé de la porte d'entrée. Donc, ok. Du coup, on est toujours... Alors, attendez, parce que je crois que... Ouais, je ne peux pas voir... C'est dommage, attends, qu'est-ce qu'il nous dit là-dessus? Est-ce qu'il y a peut-être moyen qu'on puisse le forcer, non? Ce meuble est fermé à clé. Ah ouais, c'est fermé à clé. Et du coup, on n'a pas d'autre clé. Est-ce qu'avec ça, on peut forcer? Non, je crois que j'avais... Ah si, ça marche, ok. Quelque chose a explosé dans le placard au moment où j'ouvrais. Alors attends, il y a quoi? Il y a un cylindre. Ce cylindre est brûlant. Impossible de l'attraper à main nue. Avec le string, du coup. Attrapons des cylindres avec nos strings. La culotte de Nico va me protéger. Toujours utile, hein, bien sûr. Toujours avoir une culotte propre sur soi. Ou sale, hein, peu importe. Après, chacun son hygiène. Mais ça peut être pas mal. Est-ce qu'on ferme le placard? Le meuble est déjà ouvert. Oh, attendez. C'est bon? Oui. Ok. Donc... je crois qu'il fallait mettre après le cylindre avec le siphon. Pas du tout. Ce siphon n'a plus de pression. Il n'a sans doute plus de gaz. Jean-Mi, je viens de cliquer en fait. Ah oui, il faut peut-être que j'observe c'est le cylindre. C'est un petit cylindre de métal avec une soupape à une extrémité. D'accord. Donc est-ce que tu peux utiliser ça là-dessus? Ah, voilà, très bien. Le cylindre émet un faible chuintement lorsque la valve s'ouvre. Donc là, maintenant, on a un extincteur. Après, et c'est voilà quand même... un extincteur en parfait état de marche. C'est quand même vachement light hein, pour éteindre tout ce feu. Let's go. Mais non, prends-le. Oui, bah oui. Jette-toi dans le feu. Et putain, attendez. Je clique mal. Voilà. Faut mettre la souris pile poil sur le truc. Et voilà. Vas-y, éteins le feu. En visant adroitement sur le feu qui fait rage, notre valeureux héros triomphe une fois de plus. Bon. Et si je cherchais Nico maintenant? Eh bah, Nico, on n'est pas prêt de la retrouver, hein. Spoiler alerte, on n'est pas prêt de la retrouver, Nico. La clé de la maison ne rentre pas dans cette serrure. Ah, c'est pas cette clé, c'est pas pour ouvrir ça. Attends, on va sauvegarder quand même. Du coup, ça s'ouvre pas, si. Cette poignée est brûlante. Au grand mot, les grands remèdes. Quelle force. Quelle force exceptionnelle. Et attends, parce qu'on a une lettre aussi. Je suppose que j'essaierai un police si je lis ce mot, mais ça va peut-être me donner un indice sur la disparition de Nico. Il vient d'André Lobino, l'étudiant en histoire que Nico a rencontré à l'université. La lettre est du genre Game of Sentimental. J'y apprends que la lingerie exotique, comme il l'écrit, est un cadeau d'André lui-même. Et il lui donne son numéro de téléphone. Lobino se croit dans les bonnes grâces de Nico, mais je ne crois pas que ce minable soit vraiment dans la course. Jaloux, Georges Stobart. Mais Lobino, je crois que c'est celui qu'on voit au début, là. Le chercheur, là. Celui qui travaille au musée... musée qu'on pille, d'ailleurs. Enfin, qu'on vole. On vole le joyau de je sais plus quoi. Quelqu'un a découpé et plié cet article de journal. Il parle d'une prochaine éclipse solaire. Malheureusement, elle ne sera pas visible en Europe. C'est au Mexique qu'on pourra mieux voir cette éclipse. Toujours intéressant. Bizarrement, celle le prend. Même téléphone. Si je ne l'aime pas, Lobino est la seule personne qui pourra m'aider à retrouver Nico. Eh oui, faut qu'on le contacte. Allô, André? Qui est à l'appareil? C'est Josh Stobart, le petit ami de Nico.
Tu veux dire l'ex-petit ami. Écoute, je ne t'ai pas appelé pour qu'on se dispute. Je dois te parler de Nico. Pourquoi refuses-tu d'admettre qu'elle ne s'intéresse plus à toi? Non, écoute, il faut qu'on parle. La vie de Nico en dépend. C'est bon. Tu te souviens du café à Montfaucon? Évidemment. André. C'est, on est dans une belle ambiance, bien sûr. Chien galossé. J'ai une envie infrangue de me laver l'oreille. J'avais oublié ce truc du jeu où vraiment... Ils sont très énervés. Je sais pas si les deux portes mènent à la sortie. Je pense que oui. Hein. C'est fermé à clé. Si j'utilise ça, c'est bon. La clé de la maison ne rentre pas dans cette serrure. Ok, et là ? De toute façon, on a tout pris là-haut. On va pas y retourner parce qu'on veut pas la savoir si l'araignée avait des bébés. La je n'ai pas la carréo nécessaire pour défoncer cette porte. Ouais, normalement t'as la clé, je pense. Ah, nickel. J'ouvre la porte. Rencontrer Lobino ne m'enchante guère, mais cette larve est ma seule piste pour retrouver Nico. Chien galeux, larve, tout va bien. Lorsque j'arrivais au café, je ne vis Lobino nulle part. Je décidai de commander un café et de l'attendre patiemment. Je vais mettre plus fort les dialogues. Alors attendez, hop. Voilà. Je crois que... Par ce temps, je préfère rester en terrasse. En plus, je risque de manquer Lobino. Je crois qu'on va avoir un souci pour choper l'attention du serveur. Hein. Alors, là, une flasque et il y a un homme. Excusez-moi, on ne s'est pas déjà vu quelque part? Hein? Le jour où j'ai trouvé les catacombes, vous étiez là? C'est vrai? Ah oui, je me souviens de vous. Alors, vous travaillez toujours pour les forces de l'ordre? Ah oui, c'était le flic. Ah non, plus maintenant. Qui était sur la bouche d'égout. Je suis libre comme l'air, désormais. Bon. Qu'est-ce qui vous ramène à Paris? Je me suis fait enlever. Est-ce que c'est une bonne réponse? Je me suis fait séquestrer. Ah, on peut dire ou Lobino ou Nicole. On va dire Nicole. Ma petite amie. Ah, c'est plus sympa. Jeune et amoureux. Vous voulez qu'on se partage une bonne petite bouteille? J'aimerais bien, mais il faut que je garde les idées claires. Je ne suis pas digne de trinquer avec vous, c'est ça? Si. Si, mais c'est pas à peine de le prendre sur ce petit ton, par contre. Attendez, je vais rechanger un truc. Peut-être... Je pense que ça c'est bien. Peut-être la musique que j'aurais mise un peu. Je pense que ça c'est très bien. Donc on va lui reparler. Hein. Mais attends, là j'ai pas compris. C'est-à-dire qu'il verse sa flasque dans son verre, mais est-ce qu'il remplit le verre avec sa flasque ou est-ce qu'il a du vin rouge et qu'en plus dedans il fout de l'alcool? Ça fait beaucoup quand même. Pourquoi vous n'êtes plus policier? Retraite anticipée, avec un parachute doré pour que ça soit moins dur. Sauf que dans mon cas, le parachute était plutôt en plomb. Vous n'avez pas reçu d'indemnité? Non. J'ai servi de bouc émissaire pour l'incompétence de mon service. Ah, sur le clown, je pense. Vous connaissez un certain professeur Houbier? Non, monsieur. Ce nom ne me dit rien. Je crois que c'est un spécialiste de l'art et de la culture maya. Ça, c'est pas franchement ma spécialité, monsieur. S'il s'agissait d'un tueur en série ou d'un pervers... Ah, j'allais dire, ou de l'alcool. Je pourrais sans doute... Si c'est de l'alcool, il est plus qualifié, je pense. Hein. On va lui reparler, attends. On a encore le truc maya et tout à aborder avec lui. Que pensez-vous de cette fléchette? Ah, je me souviens d'une affaire où les victimes avaient été assassinées avec un objet de ce genre. Le poison a agi très rapidement. Et en quoi? Quelques secondes, le corps de la victime s'est gonflé comme un ballon. C'est sympa. J'aimerais avoir votre avis sur cet article de journal. Un orphelinat alimente une chaîne de fast-food. Non, l'article juste dessous. Mais c'est horrible. Ah, éclipse totale du soleil. Ah bah, je préférais l'autre sujet. Je ne connais rien en éclipse.
Attends, c'est aliments genre ils aident dans une chaîne de fast-food ou c'est genre la chaîne de fast-food s'est servi des orphelins pour faire des burgers? Très inquiétant. Que pensez-vous de ce message? Avec les années d'expérience que j'ai derrière moi, je peux affirmer que cette note a été rédigée par un maniaco-dépressif affligé d'un complexe de type. C'est exactement ça, sauf que vous avez oublié la queue de cheval. Eh oui, c'est le binôme. Du coup, alors je crois qu'on peut. C'est dommage, on peut pas commander. On peut pas commander un truc. Je crois qu'on a. Il a dit on se lève pas. Hein. Alors du coup, il y a un souci, c'est que le serveur on le voit jamais. Mais je pense qu'on verra pas le serveur. Dommage, c'était trop bien les égouts. Est-ce que je peux les piquer sa fla. Ah voilà, Jean-Mi. Excusez-moi. Oui voilà, c'est-à-dire qu'il lui remet du vin rouge et l'autre derrière il se refout de l'alcool avec sa flasque. C'est grave chelou en fait. Il fait semblant de ne pas me voir. Je ne peux pas lui voler sa flasque. Ah, faut attendre surveille. Qu'il boive. Faut avoir le bon timing. Là, on est quand même sur quelqu'un qui consomme énormément d'alcool. Là, en très très peu de temps, il se fait des cuisses secs de vin. Ce type me surveille toujours. Même quand il boit. On va essayer de rappeler le serveur, mais je pense que ça va pas marcher. Ah, mais attendez. Et vous hein? Je pourrais avoir un café, si ce n'est pas trop vous demander. Quand j'en aurai terminé avec monsieur. Voilà, ça c'est la politesse, le truc parisien, quoi. Bien sûr. Quand j'en aurai terminé avec ce monsieur, donc est-ce qu'on peut lui mettre un truc dans son café? Le verre, c'est pas pour lui. Dans son café, dans son vin. Le verre, c'est pas pour lui. Et un café. Ah, ça y est. Merci. Ah, on peut lui parler. Qu'est-ce que ce type verse dans son verre? De l'absinthe. De l'absinthe. Je croyais que c'était dangereux. Absinthe et vin. Votre pays. Ça l'est. Ne me regardez pas comme ça, ce n'est pas moi qui la lui ai vendue. Absinthe et vin, très bon mélange. Vous connaissez un certain André Lobino? Oui, je sais qui c'est. Et alors? Je dois le rencontrer ici. J'arrive trop tard? Non, je ne l'ai pas vu aujourd'hui. Vous avez déjà entendu parler du professeur Houbier? Oui, il a épousé cette actrice, la bavarde de Bavière. Il venait souvent ici. Professeur Foldingue et la starlette en toc. C'est agréable, la bavarde de Bavière. Comment se fait-il que je n'ai jamais entendu parler de la femme d'Houbier si elle est aussi célèbre? Elle était célèbre en France. Il n'y a pas qu'Hollywood, vous savez. Son nom d'actrice, c'était Carole Climax. Elle est morte. Et dans d'étranges circonstances. La femme d'Houbier est morte comment? Il paraît qu'il lui a tiré dessus. Et on ne l'a pas arrêté. Bonne ambiance. Si, mais il avait un bon avocat et un alibi en béton. Pourquoi quelqu'un d'aussi respecté qu'Houbier risquerait de tout perdre en assassinant sa femme? Il ne serait pas le premier à le faire, non? En plus, les types dans son genre sont toujours cinglés. Pourquoi ça? Après, c'est vrai qu'Houbier, il était un peu chelou. Hein. C'est le professeur du premier. Je sais plus si on lui parle à Houbier ou pas. Non, je crois qu'il était à l'hôpital. Je crois qu'on lui parle à l'hôpital, je suis pas sûre. Vous connaissez cet homme là-bas? Bien sûr. Bien c'est sûr. C'est un fidèle alcoolique, bien sûr. Regardez, c'est une flèche empoisonnée. Ouais, c'est ça. Mais c'est vrai. Avec ça, ma petite amie s'est endormie en quelques secondes. Comme c'est romantique. Vous avez des relations très intéressantes. C'est tout. Merci. J'aime bien parce que c'est vrai que Georges, il te sort des objets de sa poche. Genre, vous avez vu ça? C'est génial. Tiens, Georgie, quelle surprise! On avait rendez-vous en fait. Ne crois pas que ça me fasse plaisir de te voir. Mais Nico a des problèmes, de gros problèmes. Et faut que tu m'aides à la retrouver. Quoi? Dans quel pétrin tu l'as mise cette fois? C'est toi qui lui as recommandé le professeur Houbier comme expert en art maya. Et maintenant son majordome l'a enlevé et il a essayé de me tuer. À chaque fois qu'elle a affaire à toi, elle a des ennuis. Tu lui avais pourtant rendu service en la plaquant la dernière fois. Mon père était en train de mourir. Je n'avais pas le choix. On s'en est vite remise quand elle est revenue près de ses vrais amis. Bon, ça va, André. En ce moment, Nico est en danger et il faut se serrer les coudes.
Bon. Qu'est-ce que je peux faire? Nico devait parler d'une pierre à oublier. Tu veux dire cette pierre-là? La voilà, la cause de tous nos ennuis. Nicole m'a dit de la garder même si ma vie en dépendait. Ta vie vaut sûrement moins que ça. Oh, très drôle. Non, ce qu'il y a de drôle, c'est que ta vie est vraiment en danger. Mais qu'est-ce que tu racontes? La pierre est un vestige maya, crétin. Et le type qui a enlevé Nico vient d'Amérique centrale. C'est cette pierre qu'il cherche. Oh Seigneur, tu veux dire qu'ils vont me kidnapper aussi? Le mec est très égoïste, ils vont me kidnapper aussi, c'est tout. Hein. Ils s'en foutent de la meuf. On a remarqué comment l'ex-flic derrière a bien tendu l'oreille pour écouter. D'après toi, que signifie le motif sculpté sur la pierre? Je ne sais pas. Je ne l'ai montré à personne. Pourquoi tu ne me donnes pas la pierre? Je ne voudrais pas avoir ta mort sur la conscience, George. Oui. Où est-ce que Nico a déniché cette pierre? Je ne sais pas si je dois te le dire. Oh, allez, André. Ça a un rapport avec une affaire de contrebande. Pourquoi Nico n'a-t-elle pas apporté la pierre chez Oubier? Je n'en sais rien. Peut-être qu'elle se doutait de ce qui allait se passer. Si on lui fait du mal, André, je te casse les os un par un. Oh, ça, c'est toi tout craché. Tu crois que je me moque de ce qui peut arriver à Nicole? Je pense tout à coup que les larves n'ont pas d'eau à casser. Bonne ambiance, toujours. Parle-moi un peu de ton ami Oubier. J'ai plus une relation professionnelle qu'un ami. Je vois. En fait, tu ne le connais pas du tout. En fait, c'est ça. Est-ce qu'Oubier emploie quelqu'un d'Amérique centrale? Peut-être, je n'en sais rien. Oui, tiens, regarde le verre. Rien. Je te donne un indice. Ce truc a plus de caractère que toi. Mais tu te crois drôle, hein? C'est vrai qu'il envoie de ses punchlines, George. Qu'est-ce que tu peux me dire sur cette poterie? Amérique centrale ou Amérique du Sud? J'ai un ami qui pourrait t'aider beaucoup mieux que moi. Où puis-je le trouver? Il tient une galerie sur la rive gauche. La galerie Glees. À plus tard. Salut, Georgie. Bisous, hein. J'ai moi l'adresse. À plus. J'en ai assez de vos salades, connard. Ma pierre, qu'est-ce qu'elle est devenue? Je pensais que vous ne faisiez que du trafic de cocaïne, Karzak. Pourquoi cette pierre vous intéresse autant? Assez! Soit vous me dites ce que je veux savoir, soit Pablo vous fera parler. Bon, j'ai pensé que quelqu'un à l'université pourrait m'aider. Alors j'en ai parlé à une de mes amies qui connaît un assistant à la fac. J'ai envoyé la pierre au département d'ethnologie. Je me suis dit qu'elle venait d'Amérique du Sud, alors. Vous n'y croyez pas, n'est-ce pas? Ça suffit! J'en ai assez de vous entendre raconter n'importe quoi! Nous allons vous laisser réfléchir. Au petit matin, vous serez prête à parler. Rien n'est moins sûr. Du coup, nous... coucou, Parcatra, comment tu vas? Est-ce qu'on reparle aux gendarmes? Ça peut être sympa. Parce qu'il y a toujours le coup de la flasque. Hein. Moi, je pense qu'il faut la... Il faudrait peut-être le piquer. Hein. Ça vous manque de ne plus être gendarme? Oh, ça oui. Et pas qu'un peu. C'est tout? Ah non, il est en train de pleurer. Ah, on peut lui prendre là. L'uniforme, on me respectait. Ouais, c'est fini tout ça. Le serveur, il s'en fout alors qu'il a un œil bien vers moi là. Je la fais presque tomber en sentant la violente odeur d'absinthe qui s'en dégage. Cette boisson fortement alcoolisée est absolument illégale. Ça va super. Ouais, écoute, j'ai vu passer la notif. J'irai regarder ça tout à l'heure par 4A pour voir ce que c'est exactement. Donc on lui a piqué sa flasque. Il se rend pas compte. Oh là là, mais Théma, le cul sec. Attendez, on va peut-être lui parler d'autre chose. Qu'est-ce qu'il y a? Ouais, c'est de pire en pire. Je recherche ma petite amie. Elle a été enlevée. Kidnappée? Oui, le jour de nos retrouvailles, alors que je ne l'avais pas vue depuis des mois. Quelle tristesse. Ça doit vraiment être déprimant. Ah, c'est tout? On va essayer d'enchaîner. Hein. Excusez-moi. Laissez-moi tranquille. Ah! Bon, bah, bisous alors. Maintenant, adieu. J'ai une autre piste. Je peux aller faire un tour à la galerie Glees ou retourner chez Oubier. On va aller à la galerie peut-être. Retourner chez Oubier pour faire quoi? Là, je vois pas l'intérêt.
On va plutôt retourner aller à la galerie. La galerie Glees a pas mal de classe et très peu de clients. Salut les filles. C'est ça. C'est, elles l'ont regardé. Elles ont fait oh, c'est bon, c'est cool. Qu'est-ce qu'il y a de drôle? Anata wa kirei desu ne. Ok, d'accord. Bah du coup, en fait, je crois qu'on n'a pas grand-chose à faire dans la galerie à part lui parler à lui. On va peut-être sauvegarder quand même. Ça pourrait être une bonne idée. Voilà. Et d'ailleurs, on le retrouve dans le 5. Vous êtes Monsieur Glees, le propriétaire ? Oh, certainement pas. Alors je suppose que c'est lui, là-bas. Votre sens de la déduction est impressionnant. Vous connaissez le professeur Houbier ? Bien sûr. J'étais chez lui il y a quelques heures. Si vous voulez faire l'intéressant, vous devriez parler de gens de qualité. Je croyais qu'Houbier était quelqu'un de très respecté. Je ne vois pas pourquoi. Son dernier bouquin est un ramassis d'âneries pseudo-intellectuelles. Les délires fumeux d'un has-been qui refuse de lâcher la rampe. Sympa. Parcatra, oui, au fait, je viens de regarder vite fait là, le jeu dont tu me parles. J'avais fait la démo. Je n'ai absolument pas aimé. La DA est très très jolie. Mais alors, c'est pas du tout mon style, quoi. C'est vraiment... j'ai galéré, j'ai passé une heure dessus et... C'est dommage, l'histoire a l'air très intéressante. Qu'est-ce que vous buvez ? Je n'en mettrai pas ma main au feu, mais j'ai l'impression que c'est de l'urine. Glees ne peut pas décemment croire que je vais parler en bien de sa galerie s'il sert ce genre de bibine. Qu'est-ce que c'est que ces goûts de luxe ? Ah non, non, t'excuses pas par Katra, c'est très gentil de m'avoir suggéré un jeu, c'est cool, hein. N'hésitez pas d'ailleurs. Hein. N'hésitez pas à suggérer des jeux, n'hésitez pas aussi, j'en profite, hein, ça... Très belle transition. À rejoindre le Discord ou sur le Twitter. Si des fois il y a des jeux indés, des choses comme ça, je... il est possible que je loupe des choses. Et comme ça, je peux voir et voir ce que ça donne et si ça m'intéresse. Bon râteau dans ma tête, merci, ma scène est foutue. Mais non, Parcatra. Qu'est-ce que t'as prévu aujourd'hui d'ailleurs, Parcatra? J'aimerais connaître votre point de vue sur ce pot. Il s'approche très près quand même. Regardez, j'ai un pot là. T'en pensais quoi ? Très rapouche. Rapouche ? Horrible. Quoi ? Mais il a cassé mon pot. Qu'est-ce qui vous a pris, bon sang ? Coucou Spara, comment tu vas ? Putain, j'avais oublié ça. Le mec, tu lui files un pot, il le casse quoi. Quel salopard. Vous avez cassé mon pot. Exactement. Non seulement il n'avait aucune valeur, mais en plus, il était d'une laideur insupportable. Pour vous, peut-être. Croyez-moi, je vous ai rendu un fier service. Inutile de gaspiller ma salive à discuter avec ce pochetron prétentieux. Et si je renversais la situation à mon avantage en me vengeant en même temps? Ouais, on va se venger parce que là, c'est dégueulasse. Hein, on casse pas les affaires des gens quand on n'aime pas. Bah, ça va super, Spara, mais ouais. Ouais, du coup, j'espère que tu vas bien depuis le temps. J'écris mon roman Pédalier genou. Ah ouais, très bon truc. Jardinage léger, une journée d'enfer. La face du monde va changer. Ah, au moins la face de ton monde, ce qui est déjà très bien. Et du coup, t'avances bien dans ton roman? Est-ce que je peux ramasser les bouts de mon pot pour espérer pouvoir recoller mon pot? Ah, pas du tout. Est-ce que je peux lui parler? Je pense qu'il va m'envoyer chier, hein. Lecteur de carte bleue. Je ne sais pas trop. Je vais voler des gens, non? Je vais faire des arnaques. Des arnaques à la carte bleue. J'aimerais vous poser quelques questions, si ça ne vous dérange pas. Je pense qu'il va m'envoyer chier. Certainement. Hein. Je me ferai un plaisir de vous renseigner. Vous êtes anglais? De nos jours, on préfère se considérer européen. Oui, sûrement. Bon. En quoi puis-je vous aider, monsieur? Quelques soucis perso. D'accord, bah écoute, j'espère que ça va mieux et que... Bah que c'est réglé ou que ça va se régler alors. Et j'espère que c'était pas trop trop grave. Spara, en tout cas, ça me fait plaisir que tu viennes, Spara. Ça me fait plaisir de te voir. Et du coup, tu penses reprendre les streams d'ailleurs ?
Par Katra, tu dis j'ai repris un truc nouveau, on verra. Je dois reprendre la mécanique d'écriture. Ouais, bah ouais. Oui, parce qu'en plus, tu me disais que t'écrivais beaucoup plus la nuit, c'est ça? En fait, je voudrais surtout vous parler d'une pierre noire. Une pierre noire? Oui, il s'agit d'un vestige maya, à peu près aussi gros que ma main. Je ne sais rien, monsieur. On me demande rarement ce genre d'article. En revanche, si l'art maya vous intéresse, je possède une superbe collection de pots. Moi aussi, j'en avais un. Jusqu'à ce que cet empoté le détruise. C'est ça. C'est ça, la tristesse, quoi. Mais il n'y avait pas un... Putain, dans le premier... Il y avait le professeur Lobino, hein, je crois, hein, qui avait fait une découverte de fou et tout en Irlande. Mais effectivement, on le rencontrait pas. Et effectivement, Nicole ne rencontre pas l'autre mec là qu'on a vu tout à l'heure. Donc ouais. Spara, tu dis j'ai dû retourner, je suis chez ma mère et la co est horrible. Oh merde. D'accord, ok. Ok, bah écoute, j'espère que, bah, j'espère déjà que ça se passe bien. Le fait d'être retourné chez ta mère. Et d'accord, merde. Mais t'as pas moyen de faire du ouais, partage de connexion, un truc. Pour faire des tout petits mini-streams. Vous connaissez le professeur Houbier? Bien sûr. Son nom est synonyme d'art maya. Plusieurs de ses objets m'ont été fournis par monsieur Houbier. Ah mais lui c'est le mec de la galerie. Oui c'est pas Lobino, c'est Oubier. Ah mais il y en a plusieurs, c'est vrai, attends. Lobino c'est celui qu'on vient de voir, je crois. Vous aussi vous pensez que... J'ai gros problème avec les prénoms, hein, avec si les noms. C'est vrai, donc, on ne peut guère lui en vouloir. C'était une dévergondée prête à tout. En tout cas c'est ce qu'on dit. What the fuck. Vous avez déjà vu un des films de la femme d'Oubier? Un seul. Mais croyez-moi c'était choquant. Dégoûtant et révoltant. Bah, au moins vous en avez eu pour votre argent. Moi, la dernière fois que je suis allé au cinéma, oui, j'ai failli ça, voilà. M'endormir. Au moins, hein. Alors attendez, je vérifie juste un truc dans le journal. Ok, Lobino, voilà. Lobino, c'est celui qu'on a vu qui faisait des études et tout et qui t'a fait à la galerie. Et Oubier. Et on en a entendu parler. Après, c'était peut-être un autre prof à un moment hein, qui avait découvert le diamant. On va continuer de lui parler. Adorable, compliqué, car a pris son indépendance. Oui, oui, tu m'étonnes. Ouais. C'est clair que quand tu passes de indépendance à revenir vivre chez quelqu'un, c'est assez compliqué, quoi. Mais après, voilà, si déjà l'ambiance est bien, bon, c'est déjà pas mal, on va dire. Ah ouais, la 4G est horrible. Oh purée. Et du coup, ouais, t'as des endroits où vous pouvez pas mettre la fibre ni rien, quoi. Y a rien qui passe par là. Je pense que vous avez une licence d'importation pour ces trésors. Bien sûr, mais je ne m'occupe pas de ça. C'est le professeur qui gère le transport des marchandises. Nous nous contentons d'aller les chercher au port. Okay. Vous savez dans quel entrepôt le professeur Houbier fait livrer ses marchandises? Je ne vous le dirai jamais, c'est un secret commercial. Ça, ça va être un... Vous faites tomber, ça va être intéressant. Vous voyez beaucoup d'Amérindiens par ici? Non, monsieur, nous sommes à Paris. Ça n'a pas de sens. L'Amérique centrale n'est qu'à quelques milliers de kilomètres d'ici. Traversez l'Atlantique en direction du sud. Il y a plein de gens dans Paris. Puis tournez à gauche, vous ne pouvez pas la rater. Eh bien, il se trouve que j'ai vu des Amérindiens ce matin même. Certainement des touristes, monsieur. La capitale en est pleine en cette saison. Alors, on n'en voit pas, mais il y a des touristes. Bah oui, donc du coup, on en voit en fait. Si on va pour la fibre cette semaine, ah bah ce serait cool alors. Ça serait cool, j'espère que ça se passera bien et que l'installation se fera bien et tout quoi. Il y a un homme là-bas qui semble apprécier votre vin. Je me demande bien pourquoi. C'est un cru tout à fait ordinaire. Ah oui, il a dit que c'est de la pisse. Hein. Donc oui, on te le confirme, hein, bien sûr. J'ai trouvé cet article sur une éclipse solaire. Pas possible. Mais c'est fascinant, dites-moi. Il en a rien à foutre, hein, bien sûr. Il est désagréable. Ça fait plaisir de venir faire un petit coucou. Mais oui, Spara, ça fait grave plaisir. Ça fait grave plaisir. Et j'espère que... Bah, j'espère que... Avec la nouvelle connexion et tout, que ça se passera bien et qu'on te verra plus souvent. George Tobart, coucou, Popa Koubédé. Comment tu vas?
Mais oui, le fameux George Stobart, le meilleur. Du coup, je crois qu'il faut mettre le vert hein, dans le truc du mec. Là, je crois qu'on peut pas y aller puisque ça va nous dire c'est hors zone. Voilà. Monsieur, excusez-moi. Obligatoirement. Cette partie est fermée au public. Oh, je n'ai pas le droit d'être ici alors ? Non, monsieur. Parfait. On va lui foutre. Alors attendez, parce que. Est-ce qu'il faut qu'on lui. Ah non, faut qu'on lui propose le truc de la flasque, je crois. Et non, je crois qu'il n'y a même pas le verre à lui mettre, hein, juste la flasque. Ouais, parce que comme ça, on dit ouais, c'est de l'alcool un peu mieux. Ah, ça ne va pas l'intéresser. C'est agréable. Attends, on va essayer de lui reparler. Ah, mais je peux lui mettre. Attendez, je peux lui mettre sans qu'il le voie. Faut que je vise bien le verre, en fait. Attends, parce que. Yes! Je verse quelques gouttes d'absinthe dans son verre en espérant qu'il ne remarquera pas le changement de couleur. Il s'en fout, il a l'air de s'en foutre complètement. Vous avez mis quelque chose dans mon verre ? Pas du tout. Oui, en effet. Qu'en pensez-vous ? c'est bien meilleur que le pinard de Moi, j'aurais dit pas du tout. En fait, je trouve même ça goulayant. C'est goulayant. Et normalement... Normalement, ça fait son affaire, hein, je crois. Hein. Ah oui, il va se casser la gueule dans les vitrines. Inutile de perdre mon temps avec lui. Je sais pas s'il faut mettre un truc en plus. Je sais pas s'il faut lui en remettre. Ou s'il faut mettre un truc en plus. Non, non, mais reste là. Si vous permettez... Ah voilà, parce que du coup maintenant il le sait, il est content, tout ça. Et je vous emmène dans le bain. Et bah bon bain, c'est pas grave. Et du coup... Qu'est-ce qu'il fait ? Ah le mec récupère, en fait il s'en bat les couilles qu'il soit tombé, mais il récupère un petit bidule. Je crois qu'il se dit plutôt, ah merde, c'est cassé. Plutôt que, ouais, est-ce qu'il va bien ? Et là, on peut lire, voilà, d'où viennent les caisses. Il n'y a que des morceaux de polystyrène dans cette caisse. Mais sur le côté, on peut voir l'étiquette déchirée. L'entrepôt, c'est génial. Hein. L'entrepôt aussi, c'est un de mes moments préférés dans le 2. C'était trop bien. Sous le dessin d'un oiseau très stylisé, on peut lire « Condor Transglobal Mars ». Le reste de l'étiquette a été déchiré. Je sais pas si... Je n'ai pas vraiment besoin de... Ouais, non, ça sert à rien. Hein. N'oublie pas de mettre de l'eau de vos cou. On peut essayer de leur parler, mais je pense qu'ils s'en foutent. Hein. Je pense que... Ces pots avaient de la valeur. Ils étaient assurés, mais pas les vitrines. Je viens de perdre une véritable fortune. Cet ouais. Ivrogne a eu ce qu'il méritait. C'est ça. Et ça l'a éclaté, l'absinthe, hein. Ça lui a fait un effet de folie. Hein. Tableau, mais c'est un tableau vide, ça. Hein. Dans un paysage désolé. C'est moi qui suis désolé de voir ça. Ah ouais, c'est moche. Hein. Du coup, on peut retourner au café ou retourner chez le mec. On peut pas aller à l'entrepôt ? Ah, peut-être qu'on peut lui demander... Ça peut se tenter d'essayer de demander aux flics est-ce qu'ils connaissent cet endroit ? Parce qu'il faut qu'on trouve quelqu'un... Ah, il faut qu'on essaie d'appeler, attendez. Moi, je vois le truc. Ah, lui, il est en tristesse, ça y est. Mais nous, on est partis sans payer le café, en fait. Ah ouais ? Je peux aller faire. On s'est tiré comme ça. Est-ce qu'on n'utilise pas le téléphone ? Je ne vois pas qui d'autre je pourrais appeler. Ah, bah, je sais pas, il nous faudrait un annuaire, en fait. Est-ce qu'on a l'étiquette ? Ah, faudrait essayer de la montrer à quelqu'un. J'ai le choix. Sinon, ouais, on retente le café. Comme il a été flic, peut-être qu'il est passé par cet entrepôt. Ou peut-être que le serveur connaît, hein, je ne sais pas. Un café à Paris, c'est le prix d'un rhum. Ouais, c'est ça.
C'est ça, le mec s'est tiré, tu sais, tout s'est bien passé. Je pense que tu fais ça, ça se passe très mal. Écoutez, c'est quand même 15 balles, hein, revenez. C'est aberrant, quoi. Tu te dis, mais tout ça pour un... Enfin, bref, tout ça pour être en terrasse et tout. Dans Paris, quoi. Est-ce que... Alors, je crois qu'il a dit, laissez-moi tranquille, mais est-ce que je peux pas lui montrer l'étiquette, quand même ? Excusez-moi. Qu'est-ce qu'il y a ? Il ne voudra pas d'un truc comme ça. Ah ! Attends, on peut lui parler de l'alcool ? J'ai fait pire, j'ai oublié de payer le médecin et il a oublié de me le dire. Ah, c'est pas mal. Bon, au moins, tout le monde a oublié, tu vois, c'est pas mal. La dernière fois, on a parlé, on a pris 2 coca. Ouais, c'est ça, 10 euros. Tu peux poser tes 2 reins sur la table. Voilà, c'est ça. C'est parce que, genre, soi-disant, t'as un beau paysage et tout. Et mais après, c'est un peu dommage parce que, tu vois, c'est les endroits qui sont très en vue. Et t'as des endroits où tu peux prendre un verre et tout, qui sont vraiment pas chers et dans Paris. Mais bah, tu vois, ça va pas être dans la rue la plus commerçante, la plus blabla. Donc, Et le pire, c'est que ça se trouve, là où tu payes cher, c'est ils sont absolument pas agréables avec toi. Alors que t'as d'autres endroits un peu plus reculés, on va dire, entre guillemets, où justement, ils vont être très agréables, tu vois. Qu'est-ce que vous buvez ? Le serveur m'a dit que c'était de l'absinthe. Mais cet idiot, il ne verrait même pas la différence entre un pastis et du pipi de chat. Agréable. Les jolis quartiers sont cafés. Oui, c'est ça, hein. Il y a des trucs... Eh, c'était un beau jeu de mots quand même, Sparin. Un bar en village de campagne pour un beau paysage. On est pas mal. La campagne, les veaux, tout ça. Mais oui, oui, c'est clair que vaut mieux un... Vaut mieux un paysage sympa en campagne et tout, c'est cool quoi. Et tu dis, les jolis quartiers sont cachés. Son café aussi, ouais. On est pas mal. Ils sont cachés des... Ouais, c'est ça. Non, mais t'as des jolis cachés qui sont... Cachés. Quartiers qui sont cachés des lieux touristiques. Et t'as aussi après des quartiers, même si c'est pas forcément joli, mais tu peux te dire, bah ouais, je suis dans Paris, j'ai pris tel truc, mais j'ai pas payé cher et je suis bien accueilli, tu vois. Donc, c'est ça qui est un peu dommage, quoi. Vous n'avez pas essayé de faire un procès à vos anciens employeurs ? Ben quoi bon ? C'était ma parole contre celle de mon escroc de chef. En plus, c'était un ami du directeur du musée que j'étais chargé... Ah putain, mais oui, voilà, c'est ça. Le pauvre. C'était dans le premier, du coup, quand... Je crois que c'est quand le musée, on se fait voler la... On vole la pierre, là, la pierre précieuse. On a du mal, faut arrêter de se coucher à pas d'heure, c'est ça. Non, mais je peux vous dire que dans Paris, c'est tellement rare d'avoir un truc où les gens sont sympas et tout, que j'ai ces adresses bien, bien notées précieusement. Et du coup, en fait, après, tu ne changes pas, quoi. Hein. C'est fou, hein. C'est fou, quand même, de se dire que selon où tu vas, tu sais, tu peux pas rentrer quelque part sans que... tu tombes, je sais pas, à 75% sur quelqu'un de désagréable, quoi. Excusez-moi. Qu'est-ce qu'il y a ? Bah, j'ai pas tout parlé avec toi. J'étais oui, c'est pas si français, c'est pas grave. De la revoir, mais elle voulait absolument voir une sorte de... Il raconte sa vie, tu sais. Je vois. Et vous pensez qu'elle a une liaison avec ce professeur ? Bon, laissez tomber, ça n'a pas d'importance. Bah, lui parle pas comme ça, t'es en train de le faire chier alors qu'il boit son verre de vin. Vous connaissez Carol Climax, l'actrice de cinéma ? Ah, mais je déteste ses films. Et c'est ce genre de saleté qui a causé le déclin de notre belle civilisation. Ok. C'est vrai que Carol Climax a été assassinée par son mari. Et qu'est-ce que vous racontez ? Je croyais qu'elle avait pris sa retraite. Tu dis, Popa, t'as plein de bonnes petites adresses comme ça, parce que t'as un couple d'amis qui bossent en restauration. D'accord, bah c'est pas mal, ça c'est utile. Ah, belle ville, d'accord, ok. Ça peut être sympa. Après, je crois que j'avais différentes personnes qui allaient par là et effectivement, il y avait des endroits assez cool. Tu dis, par la première fois que je vais à Paris seule et prends les transports, j'étais perdue. 3 personnes m'ont aidé. Je me suis même fait offrir un billet de transport. Putain, j'avoue. Ah, t'es tombé sur des gens cool. Hein. Trop bien. J'avoue que les petites adresses, Popa, tu peux faire tourner, bien sûr. Tu peux faire tourner. Alors moi, je connais... Bah, y a le quartier de Pyramide où en général ça se passe bien.
Et après, je connais deux bars dans Paris. Un qui est pas cher et qui... Enfin, les deux, ils sont très sympas. Un qui est pas cher, c'est des trucs très simples, mais franchement très bien. Enfin, très simple et encore non, parce que c'est des cocktails, tu peux demander des cocktails maison et tout. Et un autre où c'est un peu plus cher, mais ils sont toujours très sympas. Et c'est un petit peu... c'est original, en fait, comme truc. Donc c'est vrai que ça, ça c'est gardé. Hein. Ça c'est gardé précieusement, parce que putain... J'étais en robe, je me suis emmerdée à la gare d'arrivée en banlieue. Oui, oui, voilà, ouais, c'est ça. Ça dépend avec qui tu vas, où tu vas et tout, quoi. Mais j'avoue, ça c'est cool, le fait qu'il t'ait aidé, c'est sympa. Parce que c'est vrai, quoi, ouais, t'es vite perdu. Mais de toute façon, je pense, en n'importe quel transport, en n'importe quel pays, t'es grave, grave vite perdu, quoi. C'était comment le nom de ce musée, déjà? Le Cru. Ouais, c'est ça. C'est un tout petit truc. Oui, c'est la pierre qu'on a volée dans le premier. Ah non, pas la pierre, le trépied. Ouais, c'est vrai qu'on avait déjà la pierre. Je suis allé remettre en place quelques semaines plus tard. Donc c'est à cause de nous que le gars s'est fait virer quand même, à la tristesse. Et on ne trouve rien de mieux à faire que de lui voler son absinthe. Parce que bien évidemment, nous, on est la pire raclure du jeu, en fait. Du coup, est-ce que je vais essayer de parler au serveur. Je n'ai rien à lui dire. Ah d'accord. Gare du Nord. Ah oui, oui, c'est... Oh putain, Salazar, surtout quand j'y étais retournée il y a quelques années où ils ont refait toute la gare et tout. C'est un Mais même avant, hein, c'est un tel labyrinthe, c'est chaud. Hein. Châtelet aussi, hein, c'est pas mal comme labyrinthe. Hein. Quand tu veux trouver une sortie... Mais ça m'angoisse. Moi, j'arrive pas à aller dans les trucs au cœur où il y a trop de monde. Et Gare du Nord, ouais. Ouais, Gare du Nord, c'est chiant aussi. Bah, je sais pas trop. Les petites indécises. Attends, on va noter. Mamie prend son petit stylo. Mamie va noter. Alors, tu dis. Les petites indécises. Et du coup, c'est que des restos. C'est quoi comme genre de... Bah justement, comme genre de nourriture et tout. Comme genre d'ambiance. Les petits tonneaux. Il y a beaucoup de petits. Et chez Bouboule. Ouais, c'est ça. Pareil, c'est pas grave. Avenue Jean Écart. Bien, merci beaucoup. Alors, attendez. Moi, je vais vous mettre deux adresses si ça vous intéresse. Il y a... je crois que c'est Paris 12, je suis pas sûre. Et... Et ça, je sais plus c'est quel arrondissement, par contre. L'autre, les deux, c'est des bars. Et le premier, vous avez un happy hour avec des cocktails à 5 euros. On dirait, tu sais, c'est mes sponsors. Je n'ai pas de part dans ce bar. Mais 5 euros happy hour dans Paris. Donc, et je crois que c'est 8 euros en heure normale avec des cocktails comme ça, hein, bien dosés. Je me dis que c'est quand même sympa. Alors, indécis, c'est resto type brasserie, produits frais de qualité. Les deux autres, c'est des bars. D'accord, ok. Ah, pas mal. Station F aussi, une association avec laquelle je bosse, j'y ai passé voir régulièrement. D'accord, je vais noter aussi Station F, ok. Bah merci beaucoup, Popa. Et du coup, ouais, par contre, sur le Calbar, les cocktails, c'est plus du... à partir de... Il n'y a pas d'happy hour, c'est plus à partir de 10 euros, 12 euros. Mais c'est des trucs... Alors, c'est quand même très bien dosé, c'est de l'alcool de qualité. De toute façon, les deux, c'est qualité, mais voilà. Et c'est un peu plus stylé, on va dire. Voilà. Par contre, les deux, n'espérez pas forcément manger dedans. Le premier, je crois que tu as des petits trucs qui te donnent là, dans un petit bol, quoi. Et le deuxième... Par contre, dans le premier, on peut faire ses cocktails perso et tout. Enfin, ils sont super cool. Et dans le deuxième, du coup, dans le Calbar, il y a des petits snacks qu'on peut acheter, mais c'est quand même assez cher aussi, quoi. Ah, à qui c'est génial.
Aki, c'est trop trop bien. Mais t'as aussi dans le quartier de Pyramide, t'as. Putain, j'ai oublié le nom. Merde. Ah. Voilà, il y a ça. Je sais qu'il y a aussi un autre petit restaurant pas loin de l'espèce de caserne là, de pompiers, mais je sais plus le nom. Qui est très petit, ils font du bon katsu curry, des bons onigiri et tout. Et t'as testé du coup, Spara, tu sais à qui ils ont ouvert une... c'est Moshi Moshi ou un truc comme ça, je sais plus. Tu peux prendre vraiment à emporter. Faut que je le teste, j'ai toujours pas fait. Ah, et vous avez aussi, dans le même quartier, la pâtisserie Tomo. Voilà. Je suis un peu dans le... Donc attendez, là on a parlé à tout... Faire un tour. Ouais, on a parlé à tout le monde. Au niveau de la galerie, je sais pas trop. On peut essayer de retourner. En fait, je pense qu'on y retourne juste pour... je sais pas, choper des infos. Bon, après, il n'y a plus le feu. Faut y aller, hein. Ah, c'est sympa, ta test, ok. Ouais, j'y aille, hein. T'as testé les melon pan qu'ils ont fait, là. Et où dedans, t'as soit du sésame, du matcha et tout, là. Parce que ça me fait trop de l'œil. Y'a pas de soucis, Spara, t'inquiète. Prenez votre temps pour répondre, on n'est pas pressé. Surtout que là, j'ai un doute sur quoi faire, en plus. Attends, il y a le sac, il y a la tequila, mais tout ça, on s'en fout. Est-ce que... Attends, mais je suis con. Peut-être qu'il faut... je pense qu'il faudrait que je regarde l'étiquette, en fait. Je peux pas l'observer. C'est l'étiquette trouvée à la galerie Glaze. Ah, ok. C'est super, ça nous aide beaucoup. Non, pas du tout. Pas du tout. Sinon, on retourne à la galerie. Parce qu'on peut retourner chez lui, mais je pense que c'est juste pour appeler. Ce qui est dommage, c'est qu'on ne puisse pas appeler les renseignements. Ça aurait été logique. J'ai le choix entre deux destinations. Le café logique. De Montfaucon ou la galerie d'art. Alors, la galerie d'art. Bon, on va y retourner. Hein. Bon, du coup, on ne parle pas aux deux touristes. Ah oui, oh, il y a la trace de Georges dans la porte. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est qui là, j'arrive. Hey, il s'est bu une petite rasade, mais il a vite regretté. Hein. Il y avait un verre. Mais d'ailleurs, comme je dis, c'est dans les tequilas qu'il y avait qu'à des serpents et tout, souvent. Je sais pas quoi faire, en fait. Est-ce qu'il faut pas que je continue à regarder le... Non, parce qu'il y a... Ah, mais il a décollé l'étiquette. Il n'y a que des copeaux de polystyrène dans cette caisse. D'accord. Ça ne m'aide absolument pas. Non, non et non. Eh oh, bah, ce petit ton. Je ne suis pas persuadé. Ce n'est pas une... Moi, je me dis, il faudrait peut-être que je le montre à quelqu'un. Bon, là, au niveau des caisses, il n'y a plus rien à faire. Les bouts, il s'en fout parce qu'il dit que c'est trop petit, il ne peut pas les recoller. Ce qui me paraît assez logique, ma foi. Est-ce que je lui montre? Parce que j'ai pas beaucoup de personnes à qui parler, moi. Je suis un peu seule dans ma vie. Fichez-moi le camp. D'accord, c'est agréable. Hein. Merci. Cet ivrogne a eu ce qu'il méritait. Oui, mais le problème, c'est que dans tous les cas... Et je peux pas ramasser. Il y a trop de... Voilà, ok, d'accord. Elle a bon rien à me dire. Ah, il y a une poterie, eh. Qu'est-ce qu'on en fait de la poterie? Les pots sont protégés par une vitrine. Bah oui, ça ne sert à rien. Donc là, il n'y a rien dans la galerie, on est d'accord. Ça me dit un truc, l'assassin, Popa. Ça me dit grave quelque chose. Ah, je sais pas si j'y suis allée ou si c'était dans ma liste à un moment. Ça marche, Popa. Bah, sauf si je galère trop, mais je pense que je vais vite trouver. Hein. Je sais qu'il y a une... En fait, je me souviens qu'il y avait une connerie à faire. Avec l'étiquette, il n'y a pas un truc à faire avec du feu. Attends, je réfléchis. Je vais retourner dans le café juste pour voir si je peux faire autre chose. Donc t'as dit rue Jean-Pierre Timbaud. Alors attends, on écrit ça.
Bon, de toute façon, les égouts, c'est dommage qu'on puisse pas retourner dans les égouts. J'aimais bien. Mais j'ai regardé les dates de sortie des jeux et je trouve ça juste fou, en fait. Celui-là, le premier est sorti en 96, celui-là, il est sorti en 97. On a eu deux jeux comme ça en deux ans. C'est ouf. C'est juste ouf. Par ce temps, je peux aller faire un tour à la galerie Gleeze ou retourner chez lui. Je viens d'avoir remonté ivre mort. Pas mal. Ah, mais c'est les meilleurs souvenirs à ça. Hein. J'ai enlevé Maïté. Ouais, j'ai enlevé Maïté. Du coup, je vais rajouter. Enfin, j'ai rajouté d'autres petites choses. Et puis, je vais en rajouter d'autres ensuite pour d'autres événements de stream. J'ai modifié les sons. J'ai modifié plein de trucs, en fait, pendant ma pause. Ça m'intéresse pas d'aller là. Lui, il n'y a rien. On va essayer. Je pense qu'il faut que je le décolle. Il faut pas que je le décolle avec le siphon, le truc. Je me souviens d'avoir monté. Ah, attends, parce qu'il y a des trucs que j'ai pas vus. Ah oui, t'étais même pas née. Oui, c'est vrai que t'étais née quand, Spara, déjà. Alors, j'ai mis aimé ce qu'il y a de plus beau, mais c'est vrai que je me souviens. La description, c'était quoi? Envoyer de l'amour. On peut envoyer des, bien sûr. Mais il faudrait que je l'associe à un... En fait, il faudrait que je réfléchisse à l'associer à un... À un... Ça me donne l'idée. À une chanson. À la chanson. Et à une commande. Ce serait pas mal. Voilà, on va taffer là-dessus. 99. Ah oui, c'est vrai, on a 10 ans d'écart. On a 10 ans d'écart. Il y a une co-internet. Il y a une co-internet, en effet. Alors, est-ce que ma... Ouais, non, je peux le reprendre, ça? Non, mais à part s'asperger la gueule, il n'y a pas à faire grand-chose, non? Le meuble... Je sais pas si... Le meuble est déjà... D'accord, c'est pas la peine de parler comme ça. Est-ce que faudrait pas que je gratte? On dirait la clé d'une maison. La clé, la serrure, là, par contre, elle est ouf, hein. Non. Je ferais mieux de réfléchir. C'est la lettre que c'est rip. Je ne pense pas. Cette culotte rouge est ornée de lacets et brodée d'un grand cœur de satin noir. Comment j'arrive déjà à trouver le truc de l'entrepôt? Question que je touche à cette substance. Ouais, c'est un string. On est quand même sur un truc là. Je sais pas du tout. Qu'est-ce que je peux faire? Je me souviens plus du tout. Ah, c'était quoi sa vidéo du JDG? J'ai pas vu. Oui, c'est ça. C'est une ficelle. Il n'y a rien d'autre. Ah, mais attends. Attends, je crois que je suis... Attends. Je crois que j'ai une idée. J'ai peut-être une idée. Sinon, je regalère encore 5 minutes. Mais je pense que... Dépêche-toi, Georges. Ah! C'était bien tenté. C'est l'étiquette trouvée à la galerie Gleeze. Ça ne marche. Non. Est-ce que je lui redonne son absinthe? Ouais, je peux plus parler au mec, quoi. Mais attends, la galerie, ça sert à rien. Est-ce que je mets la galerie sur les caisses? Ah!
Ah, Broken Sword 1 et Discord. Oh, trop bien. Et Discworld, trop bien. Ah, faut que je regarde alors. Faut que je regarde. Discworld, qu'est-ce que c'était bien. J'avais pas joué au premier. Je crois que le deuxième, je l'avais connu parce qu'il y avait une vidéo, une démo dans les anciens magazines là, de console. Du coup, j'avais refait la démo 75 fois. Et du coup, le deuxième, j'avais adoré. J'avais certainement dû regarder les solutions sur Minitel. Et du coup, grâce à ce jeu, j'ai découvert Terry Pratchett. Puisque c'est de ces livres dont les Discworld sont inspirés. Du coup, ce jeu, c'est... Ouais, je pense le faire hein, aussi. Hein. Je pense le faire sur la chaîne parce que ça m'a vraiment, mais tellement marqué. C'était trop bien. C'était trop drôle, trop bien. J'ai encore un truc à lui dire. Qu'est-ce qu'il y a ? Je n'ai rien d'autre à demander. Bah oui, j'ai rien à lui demander, moi, Jean-Mi. Ah, trop bien, vous avez réussi à faire tout le jeu. Putain. Excusez-moi. Qu'est-ce qu'il y a ? Il ne voudra pas... Je sais pas, je vais essayer de lui montrer plein de trucs. Hein. La flasque ? Excusez-moi. Qu'est-ce qu'il y a ? Il ne vous... Je teste hein, tous les trucs, on sait jamais. Et ça, je peux pas lui montrer, là. Vous voulez autre chose ? Ça n'intéressera. C'est tout. Merci. D'accord. C'est le rouge à lèvres. Non, je dois trouver autre chose. Je sais pas, il veut peut-être un string. Il veut peut-être un string, Jean-Mi. Ah, je suis au bon endroit, ok. Il ne voudra pas. Merci, Popa. Donc, ouais, je vais essayer de trouver alors. Je vais essayer de voir. Il y a peut-être un truc dans la rue ou autre que j'ai pas vu. Hein. On a fait la même avec Alon hein, quelques années plus tard, j'avoue. Mais c'est bien, c'est des trop bons souvenirs. D'avoir un pote comme ça avec qui faire ça, c'est génial. Mais ouais, le premier, il serait pas mal aussi sur la chaîne. Ça me dit bien, parce que ouais, j'ai jamais fait non plus. Je sais pas du coup de quel bouquin le premier est inspiré. Je sais que le deuxième s'est inspiré de... Quand la mort refuse de faire son taf. Je sais plus c'est quoi le nom du bouquin. Je sais plus. Peut-être c'est la mort tout court, mais je crois pas. Je sais que le deuxième est inspiré de ça. Mais le premier, je me souviens pas. Je sais pas s'ils ont vraiment pris un bouquin ou si... Ou si ils ont... Ou si ils ont mis un peu de tout dedans, quoi. J'ai aucune envie. Ouais, mais moi, j'ai envie de visiter les égouts, en fait, Jean-Mi. C'est le bon truc. Le serveur, j'ai plus rien à lui dire. Je vais tester des objets sur le... Un verre, peut-être, non ? Excusez-moi. Vous voulez des verres ? Il ne voudra. Ok. L'étiquette, non, l'étiquette, il a dit pas un truc comme ça. Est-ce que tu veux du rouge à lèvres ? Excusez-moi. Qu'est-ce qu'il y a ? Il ne voudra pas d'un... Peut-être le serveur, hein. Bah, le serveur, non, j'ai plus rien à lui dire. J'aimerais bien embrouiller le serveur, en fait. Excusez-moi. Qu'est-ce qu'il y a ? Il ne voudra pas d'un truc comme ça. Est-ce que... Attends, il n'y avait pas un truc à un moment ? Ce n'est pas ça du... D'accord, c'est pas la peine de me parler comme ça. Non, je veux le monsieur, là. Excusez-moi. Qu'est-ce qu'il y a ? Il ne... Je crois que j'ai plus de sujet avec le gendarme. Vous pouvez donner un string ? Monsieur, vous voulez une culotte ? Qu'est-ce qu'il y a ? Il ne voudra pas du tout, bien sûr, ça me paraît assez évident. Le serveur, j'ai rien à lui dire. Je n'ai rien. Vous voulez autre chose ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Là, en gros, on a chopé... Bah, en fait, là, j'en suis à... J'ai chopé l'étiquette dans la galerie. Et c'est tout. J'ai vu Lobino. Tu pars à Marseille juste après. Oui, c'est ça, dans les docks. En fait, là, je suis à l'étape entre... J'ai chopé l'étiquette sur les caisses. C'est l'étiquette trouvée à la galerie Glees. Et je pense qu'il faut que quelqu'un me... Je ferais mieux de réfléchir. Quelqu'un m'indique, en fait. Ah, peut-être j'ai ça. J'ai tout faux. Pas du tout. C'est la coupure de presse annonçant l'éclipse. Il y a un autre bout de papier collé à l'intérieur. C'est un relevé bancaire du compte d'oublier. C'est ça. Il vient d'un distributeur de billets. C'est les ça. Les 5 derniers retraits d'espèces étaient importants et tous effectués à Marseille. Je commence à mieux comprendre. Oublier a organisé le voilà. Rite de Nico.
Il a des fonds à Marseille. Oubier est lié à la Condor Transglobal, qui a des entrepôts à Marseille. Sur l'étiquette déchirée de la Transglobal, voilà, il avait écrit Marseille, Marseille et pas Mars. Et non pas Mars. Oui, bah, c'est bizarre s'il est sur Mars. Mais c'est mieux que rien. Je fonce pour attraper le train du soir. Nickel. C'est ça aussi qui était un petit peu... Enfin, que j'aimais bien, du coup, mais qui était toujours un petit peu... Comment dire, un petit peu particulier avec ces jeux, c'est-à-dire que vraiment, faut des fois que tu regardes un truc pour débloquer quelque chose, que tu regardes un objet dans ton inventaire. La piste de la Condor Transglobal m'amena dans un port pratiquement abandonné. Alors ça, c'est quand même un de mes trucs préférés parce que on va tomber sur quelqu'un qui est absolument exceptionnel. Ah oui, 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 bah c'est vrai que t'es dans le même lieu, donc du coup, ouais, tu peux grave confondre. Et ça, je me souviens, c'était le passage de la démo. À l'ancienne, c'était le passage de la démo quand on était dans le port. Et en fait, ça, la démo s'arrêtait au moment où on arrivait à passer. C'était trop bien. Alors le chien est un peu vénère. On va lui parler à lui. Parce que je crois qu'on est sur quelqu'un d'assez fou, hein, bien sûr. Bonjour. Non mais vous savez l'heure qu'il est. Non, je n'ai pas de montre. Comme disait mon père, laissons les montres aux monstres. En tout cas, vous arrivez trop tôt. Le mec, il laisse quand même son truc sur le feu pendant je ne sais pas combien de minutes, quoi, combien d'heures. Il est quelle heure maintenant? La grande aiguille est sur le 4. Pourquoi vous n'êtes pas au lit? Je vais tout vous raconter. Ah, laissez tomber, ça ne m'intéresse pas. C'est votre chien? Non, c'est pour le boulot. Je lui donne à manger de temps en temps. Pas trop souvent, j'ai l'impression. Le pauvre. Vous ouvrez à quelle heure? 7h. Ça vous dérange si je reste ici jusqu'à l'ouverture? Si ça vous chante. Mais armez-vous de patience, on est dimanche. Et c'est du boulage, ça a besoin de mijoter longtemps. Tout est fermé, papa. Ouais, c'est ça. Oh, c'est bon à savoir. Ah, mais c'est son truc au... Il s'appelle comment? C'est plutôt original. C'est son numéro. Chien de garde numéro 20. Pas au haricot, mais les trucs qui font péter, là. J'ai plus le nom. Et c'est un truc à ça, là, je pense. Il n'a pas l'air terrible pour un chien de garde. Ah non? C'est que vous l'avez pas encore vu à l'œuvre. On a l'impression qu'il n'a pas assez de force pour remuer sa queue. Un peu comme ma femme. On dirait une limace dans le coma tant qu'elle n'est pas de mauvaise humeur. Mais après, elle se transforme en tigresse qui a bouffé du lion. On a quand même... Elles sont des dialogues de fou, quoi. Des faillots, c'est ça. C'est ça, ouais, ouais. Parce que je crois qu'à un moment, on l'entend péter. Hein. Il y a un truc comme ça. Ou alors, il en parle. Il y a un truc, c'est obligé. La Condor Transglobal, ça vous dit quelque chose? Ouais. Ils ont un entrepôt ici. C'est vrai, je pourrais y jeter un coup d'œil. Après les vacances, revenez dans un mois. Je dois livrer quelque chose à la Condor Transglobal. Où est votre camionnette? À quelques kilomètres d'ici. Et vous avez fait tout ce chemin à pied? Vous êtes cinglé ou quoi? Non, ce n'était pas dur, j'ai juste mis un pied devant l'autre. Je vais pouvoir faire ma livraison? Pas si vous n'avez pas le papier. Vous avez le papier, vous faites la livraison et moi, j'ai la paix. Cette histoire de livreur ne me mène nulle part. Quel genre d'affaire? Ah non. Je suis payé pour garder le portail. Le reste, c'est leur affaire. Mais n'empêche, hein, quand on avait refait le premier sur la chaîne il y a quelques temps, c'est là où je me rends compte vraiment des dialogues de fou qu'il y avait, en fait. C'est juste fou. Même ça, enfin moi ça me faisait, je sais pas, ça me faisait autant rigoler que ça quand j'étais petite. Je cherche une jeune femme. Sur les quais? Quel genre de femme? Les quais. Vous ne comprenez pas, je cherche ma copine. Bah, je ne l'ai pas vue. Mais vous feriez bien de lui dire que les quais sont dangereux pour une jeune fille. C'est sale et malsain ici. Je suis sûr qu'on a amené ma petite amie ici quand elle a été enlevée. Quoi? On a kidnappé votre copine? Oui, on l'a endormie avec une flèche empoisonnée. Une fléchette empoisonnée, hein? On voit bien qu'il n'en croit pas un mot. C'est ça.
J'ai sur moi cette culotte très olé olé. Cachez-moi ça, espèce de pervers. Qu'est-ce que ça sent? Les faillots. Voilà. Vous savez qu'un homme peut survivre rien qu'avec des faillots. Il y a l'épée plus que la paix, ouais, c'est ça. Non mais... peut survivre avec des faillots. Alors après, je sais pas, au niveau de ta santé, comment ça se passe, hein? Vous n'en avez pas marre de manger des faillots? Bien sûr que si. Vous me prenez pour un idiot. Et alors, vous faites quoi? Je me rabats sur les petits pois. Oh là là. Et attention, c'est pas bon pour ma digestion. Ah bah non, non, mais les faillots non plus, peut-être, non? Peut-être que vous pourriez manger autre chose. Je ne vois pas ce qu'il y a de mal avec les faillots et la bière. Mais c'est évident, vous avalez tellement de méthane que vous pourriez remplir ça. Un dirigeable. Voilà le cocktail des faillots et de la bière. Vous connaissez le professeur Houbier? Moi? Je n'ai aucun ami qui soit professeur. Ok, bah c'est pas la peine de le dire sur ce ton. C'est la fléchette qu'un indien a envoyée sur ma petite amie. Oui, c'est très bizarre. Mais je ne vois pas pourquoi vous pensez qu'elle est ici. Regardez cette lettre. C'est grave, ça. C'est grave. Oh non, c'est une lettre du soupirant de ma copine. Si j'étais vous, je lui filerais un grand coup sur la caboche. Ce n'est pas trop mon genre, mais merci du conseil. Il faut que je filme, je reviendrai. Surtout, prenez votre temps. Ouais, qu'il se mette à fumer. D'ailleurs, je me demande comment le poêle ne l'a pas déjà fait exploser, mais c'est ça. Le mec, c'est ouf. C'est... Ah ouais, il allume son briquet, c'est fini quoi. T'as toute sa cahute là qui se bat en sucette. Ah non, je crois qu'il faut l'ouvrir. Mais c'est chaud, voilà. C'est est-ce que je tisse pas le string du coup pour ouvrir ça? Cette culotte n'est pas assez épaisse pour me protéger de la chaleur. Alors, je crois qu'il faut qu'on passe là. Il y avait un truc à faire. Il y avait ça à récupérer. Ouais, après avec la gaffe. Le bâton a un crochet à son extrémité. Mm-mm. Il sert sans doute à agripper les bateaux qu'on veut attirer près du bord. Et après, il fallait servir de la gaffe pour prendre la bouteille. Je crois qu'il n'y avait rien d'autre. Ah oui, on va l'enfumer. Je savais bien que cette gaffe me serait utile, même si cette bouteille ne me sert à rien. J'ai au moins nettoyé un peu ce port dégueulasse. Et j'aime la petite musique qui change un peu pour dire ouais, t'as réussi un truc de foufou quoi, tu vois. Non, non, non. Faut le faire après. Non, mais ça sert à rien. Il va pas tomber là. Il est pas con non plus. Faut lui mettre un bout de pâté ou une croquette, un truc dessus. Est-ce que la bouteille est pleine d'eau? C'est la bouteille de bière que ce plouc de gardien a jetée à la mer. Maintenant, elle est à moitié pleine de l'eau putride du port. Parfait. Sur l'étiquette, on peut lire Surge, la bière qui vous remet la tête à l'endroit. Ah ouais, pourquoi pas? Ouais, on va remonter. Et on va utiliser la bouteille sur l'espèce de petite cheminée. La bouteille est à moitié pleine. Peut-être qu'elle refroidira assez ce cône pour que je puisse le saisir. Mais oui. Maintenant, le tuyau n'a plus de chapeau métallique. Et qu'est-ce qu'on avait été foutre dedans? Est-ce qu'on lui avait pas piqué un truc par la fenêtre? Non, maintenant, je crois pas. C'est pas le rouge à lèvres, c'est sûr. Je sais pas s'il y a autre chose qu'on peut prendre. Ah, est-ce qu'on peut pas mettre de l'eau carrément dedans, non? La bouteille a bouché. Ah bah non, on a mis la bouteille carrément. Le pauvre. Mais en fait, je me dis que des fois, avec tous les trucs qu'on fait, on pourrait canner des gens, en fait, hein, vraiment. Hein. On pourrait tuer des gens, c'est ouf. Ah oui, je crois qu'il faut que j'aille... je crois qu'il faut que je passe par la petite trappe. Ouais, ouais, il faut qu'on passe par la petite trappe et qu'on chope... alors, je crois qu'il y a la bouffe du chien. Mais je sais pas s'il y a autre chose qu'on peut attraper.
Ah non, non, c'est pas le pire truc. Mais tu te dis, entre quand on a piqué le trépied, l'autre il s'est fait virer. Là, le mec, on l'enfume. C'est vraiment... C'est un paquet de biscuits pour chien. Un jour, on m'a dit que le charbon portait bonheur. Il y a donc du charbon. Inutile de se battre contre les superstitions irrationnelles. C'est ça. La boîte. Il n'y a que des formulaires vierges dans cette boîte. D'accord, ça c'est pas intéressant. La tasse, peut-être ? Cette tasse est un véritable danger sanitaire. Mieux vaut la laisser là où elle se trouve. Mais je crois que là, de toute façon, on est bon. Hein. Là, c'est juste pour le fun. Ah bah oui, ça fait mal. Poil égale chaleur, chaleur égale brûlure, brûlure égale douleur insupportable. Des faillots à la sauce tomate. Je crois que j'ai jamais mangé de faillots de ma vie. Et je m'en porte pas plus mal, je pense. ça m'inspire absolument pas. Donc là, on va foutre le... On va foutre... Voilà, là, il a résolu le problème de sa cabane. Ah, je sais pas si on peut passer la tête quand il est là. Ça peut être vachement drôle. Mais attends, on peut lui parler ou pas ? C'est quand même particulier. Excusez-moi. Qu'est-ce qu'il y a ? Oh non, voilà. Ça, c'était le meilleur truc. Le gars, il se fait péter au nez, quoi. Non, mais... L'enchaînement, il était ouf. Du coup, on va lui filer de la... Attends, faut lui mettre là. Eh, hey, viens, viens chercher. C'est un bon toutou, ça. Ma conscience me tarabuste un peu lorsque je m'apprête à donner son bain à vin. Mais je me ressaisis rapidement. Bon, après, c'est un chien, il sait nager, donc ça devrait aller. Le pauvre. Je crois qu'après il ressort comme ça, tout, 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 tout. Comme prévu, le chien est un champion de natation. C'est ça. Coucou, petite patate, comment tu vas? C'est toi le thérapeute. Ouais, il se barre, hein. Il se barre faire sa vie, tu sais. Bisous, je m'envole. Et donc là, on peut escalader tranquille. Ouais, parce qu'en vrai, ça sert à rien de regarder tout autour. On peut pas l'ouvrir, on peut pas le forcer, on peut rien faire du tout. Donc ça sert à rien. Et là, de souvenir, on pouvait, dans l'original, on pouvait mourir encore. En se faisant choper par le mec dans l'entrepôt, là. Ouais. Un peu bof, motivé, une semaine sans stream. Oh, pourquoi t'es pas motivé en général ou juste par rapport au stream? Mais moi ça va bien, écoute. Attends, est-ce qu'il y avait un truc où fallait monter? Ouais, c'est ça. C'est le seul truc, comme je dis, je trouvais dommage, c'est que dans les remasters, tu peux pas mourir. Alors que... Ça semble être solidement fixé au mur. Alors, de toute façon, je n'ai pas envie d'un souvenir. Oui. Alors que dans les premiers, en fait, tu pouvais mourir. Mais c'était génial, en fait. C'était juste des... À part les affrontements, vite fait, genre avec Khan ou je sais pas quoi, c'était vraiment subtil, genre... quand t'allais à l'hôtel et que tu récupérais le parchemin, fallait que tu le jettes dans la rue, parce que quand tu repassais, les malfrats, ils te fouillaient, et s'ils le trouvaient, ils te jetaient dans la Seine, tu vois. Enfin, c'était que des trucs comme ça, c'était génial. Ça reprenait le côté ancien point and click, où tu pouvais vraiment mourir, quoi. C'est pas trop... Peut-être stream, rien de vite prévoir, qu'un programme vide. D'accord, ok. Bah écoute, j'espère que ça va aller mieux. J'espère que tu vas trouver un truc qui te rebooste. T'as pas un jeu qui te donne du peps? Tu te dis, oh, celui-là, j'ai trop envie de le faire. Ouais, fallait monter.
Ah, je crois que c'est ça. Fallait monter. Est-ce qu'il fallait pas attirer le mec, monter et lui jeter les tonneaux sur la gueule. Je crois qu'il y a un truc comme ça. Ouais, si, non, ça y est pas, je crois. En fait, ça y est pas parce que, par exemple, quand tu prends dans le premier le parchemin et que tu cliques pour sortir de l'hôtel, en fait, il te dit « Ah non, il faut que je m'en débarrasse parce que sinon, les malfrats, nan, nan, tu vois. » Parce que du coup, tu sais que quand tu sors, ils te fouillent. Et c'est un peu dommage parce que dans le premier original, il te dit pas ça. C'est à toi de te dire, attends, quand je suis rentrée, ils m'ont fouillé. Si j'en suis ressortie, ils m'ont peut-être fouillé. Donc, faut que je pense à jeter ce truc-là. Et ouais, c'est un peu bête parce que du coup, ça pousse un peu moins à la réflexion, tu vois. Je trouvais que... Parce qu'il y a des anciens point and click qui étaient effectivement très durs par rapport au fait de mourir et tout. Là, je trouve que c'est pas hyper dur parce que ça reste de la logique. Tu peux sauvegarder vraiment juste avant. Enfin, c'est... Voilà, c'est pas tiré par les cheveux, donc c'est dommage qu'il ne l'ait pas laissé. Ça faisait un petit challenge, quoi. Au moins, il y avait un truc pour les nouvelles générations où c'était un peu plus joli, avec plus d'astuces ou autre, mais toujours le coup de tumeur. Tu dis, t'as plein de trucs en retard pour tes streams, des extraits, du montage, best-of, développer une nouveauté, besoin de temps. D'accord, bah après, au bout d'un moment, c'est bien aussi des fois de faire une pause, hein. Sur tout ça. Non, je parlais vraiment d'un jeu que t'avais envie de faire en stream, pas du boulot que tu fais à côté, tu vois. Mais c'est bien, eh, il faut s'écouter, hein. Si t'as besoin de te détendre et de faire une pause, tu fais une pause. Et après, bah, soit dans ta semaine, t'arrives à avoir le mental et le moral pour bosser sur tes streams. Et puis après, bah, tu recommences la semaine prochaine, hein. Ah, c'est ça, on contourne, mais il faut le jeter sur la gueule. Oui, voilà, parce que normalement, il se déplace là et il tombe dans l'eau. Alors, tu te dis, des jeux t'en as, mais besoin de faire d'autres trucs pour mon live. Peut-être le week-end de Pâques qui me ramollit. Ouais, peut-être, hein, qui sait, écoute. Mais après, bah écoute, en tout cas, détends-toi, change-toi les idées. Et puis, il y a un moment où tu vas te dire, oh, j'ai envie de bosser, je vais faire ça. Et puis, tu vas le faire, tu vois. Si tu te forces, ça sera pas productif, donc... Sauvegarder là. Bon, après, c'est surtout si ça bug, puisque là, il n'y a plus trop de... T'as bloqué le ventilo. Quel ventilo? Attends, je vais toquer parce que je crois qu'il faut lui parler et après, après on se dit qu'il faut essayer de le... Ah oui, 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 d'accord, pour qu'il sorte ou un truc comme ça. Mes coups sont noyés dans le vacarme qui règne ici. Faut que j'ouvre la fenêtre, je crois. Il n'y a pas une fenêtre à ouvrir. Ah, mais son accent, c'est génial. Le gros tube noir, attends, c'était quoi? C'était ça? Attends, je vais ouvrir. Ah, c'était ça, ventilateur. Pas encore, mais je crois que... La grille de métal m'empêche d'atteindre le ventilateur. Ouais, je crois que je vais observer et tout. Et peut-être après, je vais le faire. Oui, voilà, parce que c'est là. Tu sais, il y a toujours un truc où il faut qu'il remarque pour qu'ensuite, tu puisses faire quelque chose. Sinon, il dit non, c'est con, en fait. Alors, observons. On n'entend pas ma voix avec le bruit du ventilateur. Voilà. Impossible d'atteindre l'hélice du ventilateur, mais ça vaut mieux comme ça. Oui, parce que je mets mes doigts là-dedans. Adieu, c'est ça. Après, là, c'est mort. Hein. C'est la fin. Est-ce qu'on a un truc? Ah, je crois qu'il faudrait peut-être mettre ça. Yes. Génial, ça marche. Le ventilateur est bloqué par la gaffe. Il a fini par s'arrêter. Nickel. Hé, hey, si tu bouges, je te casse le bras. Ce gros balourd ne paie rien pour attendre. Kazak est furieux. Ah oui, c'est vrai qu'il y avait le petit. On n'a pas eu la pierre. Si tu continues à faire le malin, je vais dire que c'est de ta faute. Kazak, c'est sûrement leur chef.
Yes, yes. Et je pense que lui parler de là-haut, je c'est pas la meilleure des idées. Un autre moyen d'attirer leur attention. Exactement. Donc en tout cas, on a bloqué le ventilo. Donc normalement, si on toque à la porte, il nous entendra. Donc c'est plutôt bien. Ouais, si, c'est ça. Putain, qu'est-ce qu'il dit déjà? Il dit pas Quetzalcoatl ou un truc comme ça, ou un autre truc. Il dit en tout cas un truc important. Je sais plus. Oui, il donne le nom de la ville, peut-être. Je sais plus du tout. Qui est-ce? Bah, c'est moi, la pizza. Non, mais le mec n'a pas de pizza, donc. Où sont les pizzas, en fait? Le livreur de pizza. Je n'ai pas commandé de pizza. Ah non? Je suis bien à la compagnie de transport Condor Transglobal. L'arnaque. J'ai horreur des pizzas. Oh, ah. Allez. Tout le monde aime les pizzas. C'est dommage. Il fait peut-être de l'allergie à la mozzarella. Ah, tu sais, l'hypothèse. Il est peut-être allergique à la mozza. Hein. Peut-être juste qu'il aime pas. Hé, hey, qu'est-ce qu'il y a encore? Ah d'accord, on reparle de la pizza, on peut pas lui parler d'autre chose. C'est genre, on a choisi pizza, c'est pizza tout le temps. Écoute, cette pizza est déjà payée, tu n'as qu'à la prendre. Je te dis que je n'aime pas les pizzas. Même avec un supplément d'olive? Ah, je les déteste. Les crottes de pigeon. En moins bon. Bon, après j'avoue, j'aime pas les olives non plus, donc j'enlève toujours ça, je supporte pas le goût. C'est bien la preuve que c'est un méchant, mais c'est ça. Après, est-ce qu'il est plus méchant en n'aimant pas les pizzas? Ou en aimant les pizzas avec de l'ananas dessus. Lequel est le plus méchant? Bon, écoutez, je vais faire une petite pause pipi de 2 minutes. Et puis, je reviens tout de suite. Poup. Ok, c'est reparti. Tu dis, patate, c'est trop bon les olives. Bah écoute, on te laissera toutes les olives qu'on ne mangera pas. Ah non, je déteste vraiment quand je vois des fois, tu sais, tu vas dans un bar et tout, et puis t'as ton pote ou ta pote qui mange les olives comme ça, tu dis, ah, bah l'appétit bien sûr, c'est cool. Hein. J'ai un voyant, on s'en fout, c'est le casque. Ok. Du coup, donc la livraison de pizza, c'est mort. Ah, attends. Il n'y avait pas un truc où il fallait que je mette un machin de charbon. Il y a ça aussi, il y a la roue. Impossible d'atteindre la roue, mais ça ne servira à rien de grimper là-haut. D'accord.
Je crois qu'il n'y a rien d'autre. Il y a ces portes-là, mais je pense que c'est fermé. Une grosse chaîne fermée par un cadenas entoure les poignées de cette porte. D'accord. Je vais essayer de retoquer, mais je pense que c'est mort. Hein. Je pense qu'on va, avoir le coup de la pizza. Je sais pas s'il y aura les autres. Cette petite trappe ne peut être ouverte que de l'intérieur. D'accord. Je sais pas s'il y aura les autres. Dans ton intérêt, je te conseille d'ouvrir cette porte. Et si je ne l'ouvre pas, je te fracasse la tête. Ok. Je vais sortir. Pauvre minable. Il faut peut-être que je parte. Hein. Pour Jean Minant. J'ai peur. Hein. Clique. Je crois que j'ai cliqué trop tôt. Ah si, et après je reclique. Reclique, Jean-Mi. Voilà. Et bam! Ça y est! Alors, du coup, je te les petites patates. On n'est pas censé aimer le hamer car ça a le goût du pipi quand on est dans le ventre de notre père, d'accord. Et le corps ne doit pas revoir le pipi. Ah, putain. J'avoue, ça ferait sens. Ça ferait sens. Du coup, est-ce que ça veut dire que... Merci beaucoup. Du coup, est-ce que ça veut dire que nous, on aime le pipi si on aime le hamer? Question. Est-ce qu'on est pipifile? Il y a un autre nom, hein, certainement, mais... Non, mais j'imagine. Alors, il y a une explication freudienne pour le fait que vous aimiez le goût amer. Ah, qu'est-ce qu'on a? La seule chose digne d'intérêt, c'est une petite clé en cuir. Et les clés, c'est toujours important. Hein. Toujours ramasser toutes les clés. Sur le bureau, ah, on a un panneau d'affichage. Il y a le mec là, il est caché où d'ailleurs? Ah bah ça doit être, ça va s'ouvrir avec la clé, je pense. C'est fermé à clé. Ok. Parmi toutes ces paperasses, ah, un document retient mon attention. C'est un reçu pour une livraison de la Condor Trans. Quaramonte, il faut qu'on aille à Quaramonte. Quaramonte City. Et la clé. Je sais plus quand est-ce qu'on retrouve Nico. Ce n'est pas la bonne clé. Ah, bah ça va, c'est bon, pas ce petit ton. Il y a l'autre là qui est caché, non? Ce matin, je vous ai jugé sur le live d'Alex comme quoi j'aime les After Eight, les Man Augmente et les Mon Chéri. Ah, les Mon Chéri, j'avoue, j'aime bien. J'ai eu du mal au début. Hein. Par contre, les trucs à la menthe, là, j'ai... Ah ouais, non, je... En fait, je comprends pas. Après, chacun ses goûts, hein, mais j'arrive pas à comprendre dans le sens où pour moi... Tu sais, c'est plus en mode dentifrice que de se dire « Ouais, j'aime les trucs gourmands. » Tu vois, je... Bah. Mais c'est bien, il en faut, hein. Ok, écartez-vous, je vais gerber. Il en faut, c'est bien. Je suis ça pour les olives, par contre, pour le reste... Alors, je pense que le meilleur, du coup, pour Petite Patate, ça serait les olives à la menthe, peut-être. Allez. Tendez le coup. Expérience amère. Amère fraîche. Toutes les caisses sont solidement fermées. Ok, mais Jean-Mi, là, qui était caché, il est où? Ah, il est là. Hey, ne tire pas. Le petit gars, il est ouf, lui. Ça confirme mes soupçons sur ce qui est arrivé à Nico. Je m'attends à ce qu'il me tire dessus, mais il n'en fait rien. Il n'y avait plus fléchette. Hein. On dirait qu'il essaie de me dire quelque chose. Quoi? Qu'est-ce que tu veux? Oh non. Il semble tout retourner, presque désespéré. Mais qu'est-ce qu'il veut? J'appelle la police. Ah, il me montre un truc, il dit... Ah, j'ai pas compris. Jean-Mi, qu'est-ce que tu veux dire? Il y a un monsieur, c'est Salut, ça? Salut, je ne te veux pas de mal. Quaramonte. Ah voilà, ça qui répète. De Quaramonte City? Quaramonte, Quaramonte. Bon, bon.
On va lui montrer la fléchette, peut-être on fera ami-ami avec lui. C'est genre... la fléchette dont tu t'es reconnais servi ça, pour c'est génial. Ma copine. Si jamais elle a été blessée, je te tiendrai personnellement pour responsable. Pardon. Qu'est-ce que tu as fait de mon amie? Je ne pars pas sans elle. Où est-elle? On dirait qu'il ne comprend pas. Dis-moi où tu as mis Nico et je te donnerai des biscuits. Oui, c'est vrai. Une boîte de biscuits pour chien comme monnaie d'échange, ce n'est pas terrible. Mais le pauvre, ça se fait pas en fait. Il ne peut pas savoir à quel point ils sont délicieux. Aquaramonte tes sauvages apparaissent, c'est ça. La Pokéball, c'est ça qu'il répétait là, la ville. Tu sais ce que c'est? D'accord. Qu'est-ce qu'elle ouvre cette clé? Hein? Mais il savait pas marcher. Mais tu as des menottes. Qui a fait ça? Il a des menottes. L'horrible balèze. Je vais te libérer, d'accord? Est-ce que c'est une bonne idée? Hé, hey, reviens ici. Ah, je crois qu'il nous ouvre la porte, non? Il nous ouvre pas la porte. Le petit homme a disparu derrière ce tas de caisses. Le petit homme, ça se fait pas. Hein. Monte charge. Je n'arriverai pas à ouvrir cette porte en tirant dessus. Il existe sûrement un moyen plus efficace. Est-ce que je peux rouvrir le placard avec ma... Avec ma... Ma machin, là. Ma fléchette. Ça va être pas mal, non? Pas du tout. Là, il n'y a plus rien, je crois. J'ai déjà fouillé ce tiroir. Ok. Ça, on a déjà regardé. C'est le relevé bancaire d'Oubier. On a du charbon à machin. Par peut-être... question que je retourne là-bas. Oui, c'est pas con, c'est vrai. Hein, c'est un peu bête sinon. Alors attends, il y a les boîtes. Toutes les caisses sont solidement fermées. Attends. Non. Ouais, mais attends, je crois que c'est ça, hein, c'est ça. Ah, il y a le bouton, putain, je l'avais pas vu. M'attendais à ouvrir un truc avec la clé ou que le petit nous ouvre. Je crois que le petit nous aide, mais je sais plus comment. Ah ouais, il y avait un truc à faire avec la statue aussi. Il n'y avait pas cette caisse-là qui était aussi très importante. Et voilà, en bloquant ce faisceau voilà. De lumière, il fallait bloquer le truc, parce que je crois que l'autre, il arrive à nous... Personne ne peut utiliser l'ascenseur. Ouais, ouais. Mais ce n'est qu'un début. La petite caisse est plutôt en équilibre. Ok, est-ce qu'on peut taper dedans? Ou on la pousse, ouais. Parfait. Voilà qui empêchera les portes de se refermer. Nickel. Je soulève péniblement la petite caisse ah. Lorsque je remarque son ah oui. Étiquette. Danger. Contenu vivant, ouais, voilà. On est sur de l'araignée là, faut arrêter là. Je pense que ça c'est stop. Hein. Je ne sais pas ce qu'il y a dans ces caisses, mais c'est sacrément lourd. Alors celle du haut, celle du bas, celle du haut, elle est. Il n'y a pas assez de place pour actionner la poignée. D'accord, ok. Ah, faut que je déplace ça, attends. Qu'est-ce que j'ai comme truc? J'ai la fenêtre, j'ai une porte, peut-être faire la porte. Une lourde poutre bloque la porte. Ah oui, il fallait faire valdinguer la statue dans la porte pour ouvrir la porte. Et il fallait arriver à bouger la caisse, sauf qu'il y en a une qui ne veut pas bouger parce qu'il y a les araignées dedans. Enfin, peut-être. Impossible d'ouvrir cette fenêtre. Ok. Ouais, ouais, si, je sais. Je sais quoi faire. Ça ici. On peut regarder la statue cette et la poulie, histoire que ça nous débloque un truc, peut-être. Voilà, la poulie.
Qu'est-ce qu'on peut faire d'une poulie sans corde? J'ai pas de corde, moi. Ah, j'ai ça. La chaîne est trop courte. Ah, c'est super. Non, je dois trouver... Et si la caisse m'échappait? Je n'ai pas très envie de libérer ce contenu vivant. Oh, quel relou. Attends, il y a ça aussi. Interrupteur, bouton. L'interrupteur, c'est quoi? Ah, ok. Ah, et du coup, on voit les éraflures. Ça, c'est pas mal joué. Et le bouton? Il ne se passe rien. Sûrement parce que l'ascenseur est déjà là. Ok, on va aller checker ça. On va aller regarder les éraflures. Voilà. Une rayure forme un arc de cercle, ce qui veut dire qu'une porte a souvent été ouverte ici. Avec les doigts, on peut sentir la présence d'une porte. Peut-être utiliser, je sais pas, la fléchette ou un truc, non? Ou alors il y arrive tout seul. Hey, il y a une petite saillie entre ces planches. Yeah. C'est ce que je pensais. Une pièce secrète. Ben voilà. Nico. J'ai crié comme lui, quoi. Ah, un dessin bonus, ok. Bah déjà, on prend la statue. Parce que comment tu vas, on s'en fout un peu. Voilà, merci. Dans sa poche, bien sûr, de Mary Poppins. Tu veux bien jeter un coup d'œil à ça? Une petite statue représentant un personnage à genoux, portant une coiffe. Son expression est horrible. Ses yeux sont exorbités, son visage semble être en décomposition. Hé, hey, quelqu'un vend les poupées de Lobino. Les gens pleins de gaz, tu sais. On lui parle, on lui montre le truc, on prend la statue et tout avant de la libérer. C'est mieux. Voilà. Comment te sens-tu? Merci, Georges. Mais comment as-tu fait pour me retrouver? Je savais qu'Oubillé était allé à Marseille. Mais parle-moi plutôt de toi. Raconte-moi toute l'affaire. Qu'est-ce qui se passe avec cette pierre Maya? Je l'ai volée à un des hommes de Carzac à Paris. Je pensais qu'il s'agissait d'une affaire de drogue. De la drogue? Oui. Je pensais que c'était la preuve dont j'avais besoin pour inculper Carzac et dénoncer son trafic. Je me suis fait passer pour un convoyeur. Une fois la preuve en main, je voulais me rendre chez l'inspecteur Mou. Mais à la place de la drogue, ils m'ont envoyé cette pierre. Et pour en savoir plus, j'ai appelé le professeur Oubillé qui m'a invité chez lui. Du moins, je croyais que c'était Oubillé. Je ne comprends pas. Si Carzac est un trafiquant de drogue, pourquoi tient-il tellement à récupérer cette pierre? Peut-être a-t-elle une signification particulière pour les Indiens d'Amérique centrale. C'est peut-être le moyen qu'a trouvé Carzac pour les obliger à travailler pour lui. De toute façon, il faut qu'on sorte d'ici. Tout à fait. Nico, bah, attends. Pas ce petit ton. Elle, on l'a libérée, elle dit pas merci par contre. Hein. Je dis pas merci, je me casse, faut qu'on sorte d'ici. Garder ce scotch. J'en aurai certainement besoin un jour ou l'autre. Faut mettre le scotch sur, la, sur le capteur dans l'ascenseur. Et après, comme ça, on peut pousser la statue et la statuette et non, la statue. L'ascenseur. Si ce cinglé de Pablo a repris voilà. Ses esprits et doit nous attendre en bas. Il faut faire quelque chose. Cette porte donne sur quoi? Je ne sais pas trop. Calmez-vous. Arrêtez de crier, calmez-vous. Donc déjà, le scotch là-dessus. Voilà. Comme ça, on peut reboucher la caisse. A priori, le scotch va empêcher la porte de se refermer et l'Indien ne pourra pas utiliser l'ascenseur. Voilà, du coup, je peux bouger la caisse sur l'autre, normalement. Voilà, nickel. C'est ça, c'est le fameux scotch. Et après... Voilà. Toujours avoir un scotch comme ça dans sa poche. Hein. Très important. Ah, attends, la corde. Ah, bah, je l'ai avec moi, la corde. Ok, nickel. Tac. Ce serait plus facile d'attacher d'abord la corde à la statue.
C'est ça. Ouais, mais il faudrait du scotch anti-connard aussi, surtout. Je pense que ce serait mieux. Là, t'es vraiment tranquille. Ouais, et je, par contre. C'est court, hein. Ouais, faut mettre avec la menotte. La corde n'est pas assez longue pour atteindre la poulie. Yes. On va mettre les menottes dessus. Pas du tout? Ou alors je mettrais peut-être ça là-dessus. La chaîne est trop courte. Moi qui kine un petit peu, Jean-Mi là. Là-dessus? Pas du tout. Je l'enlève peut-être, non? Cette statue est sûrement trop lourde pour être déplacée. Et ça? Qu'est-ce qu'on peut faire d'une poulie sans corde? Pas grand-chose, Jean-Mi, pas grand-chose. Je sais pas, Nico, tiens. Attends, à lui parler, elle a pas un objet à me donner, celle-ci. Il y a moyen, hein, il y a moyen. D'accord. Dis-moi ce que tu sais sur la Condor. La Parlons-lui de Condor tout. Transglobal exporte des antiquités aztèques et mayas entre l'Amérique centrale et l'Europe. Mais c'est une couverture. Leur activité principale, c'est le trafic de drogue. Quelle preuve as-tu? Pour le moment, aucune. Tu sais où est le siège social de la Condor? En Amérique centrale, à Coromantee. Pas la J'ai vu ce nom sur un registre en bas. Parle-moi de ce Karzak. Je ne l'ai vu que quelques minutes, mais il est terrifiant. J'ai l'impression que Pablo lui aussi était nerveux en sa présence. Ses yeux, on dirait ceux d'un animal sauvage, comme ceux d'un tigre. C'est ce qui m'a le plus effrayé en lui. Il semble dangereux et imprévisible. Attends, tu dis, Papa? Où est-ce qu'il est chef maintenant, le temps des cerises? D'accord, bah écoute, je note, alors attends. Il y a un autre truc que je voulais noter, c'était quoi déjà? Ah oui. Et donc tu dis, il y a le temps des cerises, ça me dit un truc. Ah mais non, mais c'est pas une marque de aussi de prêt-à-porter, ça, le temps des cerises. Et pépite. 20 rue de Nemours. Ah, mais tu sais quoi, Popa? Je vais faire une. Tu me donnes une idée. J'en suis à deux post-it, hein, on est mal barré. Hein. Je vais faire une rubrique sur le Discord où je vais mettre. Dans quoi je pourrais mettre ça? Ouais, alcool et nourriture. Les bonnes adresses. Pourrait être très bien. Pourrait être très très cool, tiens. Merci beaucoup pour toutes ces recos. Et je vous remets d'ailleurs le lien du Discord si vous voulez le rejoindre. Pour être au courant de bah, voir le planning et puis partager après des petites photos d'animaux, de dégustations, de choses comme ça. Les bons plans jeux vidéo aussi, tout ce qui est épique, etc. N'hésitez pas. Hop! On va lui parler un peu de tout Tu à savais Micheline. que la femme d'Oubier était une star de cinéma? Non, je ne savais pas qu'il était marié. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Elle est morte. Dans des circonstances mystérieuses, paraît-il. Mystérieuse? J'ai entendu dire qu'elle avait été assassinée. Peut-être par Oubier lui-même. Un meurtrier? André disait qu'il était une sommité. Ah oui, on en avait parlé, c'est vrai. Patate, bah du coup je vais renoter parce que je crois que j'avais pas noté. Voilà, nickel. Tu as mentionné l'inspecteur Mou? Oui, tu t'en souviens? Oui, je me souviens de Mou. Mais ouais, n'hésitez pas, je vais essayer de faire une petite catégorie pour qu'on se partage nos bonnes adresses. Mais que ça peut être de tout, hein, de resto, de pas que sur Paris d'ailleurs. De resto, de bar, de bons plans aussi, ça peut être bien. Même d'hôtels, de choses comme ça peut être cool. Je vais faire ça tout à l'heure. N'hésitez pas à rejoindre le Discord, voilà. Bien sûr, mais je croyais qu'il était mort. Oh non,
Il a refait surface quand l'affaire des chevaliers de Baphomet s'est passée. Lorsqu'il s'est rendu compte qui était impliqué dans l'affaire des néo-templiers, il s'est mis au vert. Mou en savait un peu trop. Qu'en est-il notre rôle dans l'affaire? S'il est au courant, il ne dit rien. En plus, il a bizarrement reçu une promotion. Mou, c'était le flic qui était avec l'inspecteur je sais plus quoi, qui faisait un peu du mentalisme chelou là, et qui lui, par contre, était impliqué dans l'affaire des Templiers. Cet Indien t'a bien traité? Si on oublie la séquestration et les menaces verbales, c'est plutôt bien, oui. C'est qui le petit gars? Je ne pense pas qu'il sache où il se trouve, ni ce qu'il fait ici. Pablo le balèze, il a ramené Titi Poco de la jungle. Titi quoi? Titi Poco. C'est comme ça que j'ai entendu Pablo appeler le petit. Titi Poco. Ça marche, patate. C'est noté. Et du coup, merci, 24 rue. Titi Poco, mais ouais. Ouais, dans le deuxième, il y a plein de trucs bien. Il y a vraiment des trucs très cool. As-tu la moindre idée de ce que représente cette statue? Je ne m'y connais pas trop en dieu Maya, Georges. Quel que soit son nom, il est vraiment horrible. On n'a toujours pas de corde, hein. Tu reconnais ce truc? C'est la fléchette qu'ils ont utilisée pour m'endormir. C'est ça. Je la garde en souvenir. J'aime bien le souvenir, quoi. Je l'ai trouvé dans ton sac. C'est un cadeau. Je sais, j'ai lu le petit mot. La gueule du Dieu cadeau. Dieu seul sait ce qu'André avait en tête. Pour moi, c'est clair comme de l'eau de roche. C'est ça. Pas très compliqué de deviner, hein. Le petit gars en bas a été attaché avec ça. Ce doit être l'œuvre de Pablo. Eh bien, je ne lui en veux pas. Ce petit gars m'a l'air dangereux. Tu es encore secoué par cette flèche empoisonnée? Évidemment. Mais je pense qu'il est exploité, le petit. Alors, du coup... Non, pas du tout. Du coup, j'ai un truc à faire. Je ne suis pas persuadé. Attends, je vais retourner dans la pièce. Il y a peut-être un bout de corde, un truc qu'on n'a pas pris. Pas du tout, il y a la chaise... Il n'y a rien à regarder. Hein. Là, à part le scotch, il n'y avait rien du tout. Je me souviens qu'il fallait attacher la corde à un truc. Mais alors après, à quoi? Ah, et du coup, je peux pas repiquer la corde, quoi. Qu'est-ce qu'on peut faire d'une poulie sans corde? Oh, je voyais un point vert, je me suis dit, tiens. Et je peux pas déplacer ça? Ah, mais oui, voilà. La palette monte de quelques centimètres au-dessus du sol. Je remercie du fond du cœur l'inventaire du système hydraulique. Le tire-pale. Mon Dieu, qu'est-ce que tu fais? J'essaie de soulever cette statue pour pouvoir l'accrocher à la poulie. Est-ce que c'est censé nous aider? J'aime bien m'occuper quand je suis un peu sur le nerf. J'aurais pu dire oui, en fait. C'était mieux parce qu'elle, elle est très énervée. Jean-Michel Hydraulique, merci, c'est ça. Stirpal. Bah du coup, après, il faut rebasculer le tirpal, enfin rebaisser le tirpal et ensuite pousser la statuette. Et voilà. Et normalement, on est bon. On va casser la porte. Nico reste pas devant, par contre. Là, faut qu'elle m'aide. La déplacer tout seul. Faut qu'elle m'aide. Micheline, viens ici. Merci. Au lieu de gueuler, là. Aide-moi. Aide-moi à m'en sortir. Tu peux m'aider à pousser cette statue? Pourquoi faire? Ça, ma chère, c'est notre passeport pour la liberté. Si tu le dis, mon cher. Bon, pousse. Beau travail d'équipe. Heureuse de retravailler avec vous, monsieur Stobart. Ah, je pensais que ça allait enchaîner sur, sur la cinématique. Ah, on part avec la poulie. Mais oui, si, si. On met les menottes, je me souviens, on met les menottes là-dessus. Sur. Il n'y a pas l'espèce de poulie, là? Ça, j'ai là. Sans doute attrapé ce fil, voilà. À main nue, mais ça fait une longue distance à parcourir. Et voilà, et en fait, on utilise ça là-dessus. Nico, j'ai une idée géniale. Voilà. Ah,
Ouais, montez. George, où étais-tu passé? Peu importe. Tu as la pierre Maya? Peut-être, mais... Arrête de chipoter, André, et donne la pierre à George. Bon, d'accord. Si c'est ce que tu veux, Nicole. Merci beaucoup, André. Vraiment. Georgie m'a dit que tu avais été enlevé. Je suis content de voir qu'il s'était trompé. Oh, mais c'était vrai. Sans George, je ne serais pas ici en ce moment. Mais ce n'est pas fini. Les sbires de Karzak vont revenir chercher cette pierre, c'est sûr. La meilleure piste que nous ayons, c'est Quaramonte City. Quaramonte? Oh, c'est en Amérique centrale. C'est là-bas que Ubié trouve ses vestiges. C'est tout ce que nous voulions savoir. Viens, George, on y va. Quaramonte, la porte de service de l'Amérique centrale. C'est comme ça que c'était traduit dans la brochure. Nous ne savions pas ce que nous cherchions, mais le bureau de la Condor Transglobal semblait être un bon début. Hé, hey, c'est jour de marché. Je ne vois pas de taxi. Demandons à quelqu'un le chemin de Quaramonte City. D'accord. Fais attention et essaie de trouver un indice qui nous mènera à la Condor Transglobal. Tellement de souvenirs qui reviennent, mais c'est ça, tellement. C'était trop bien, ça. Oh. Ces jeux, ils étaient... Ah, je sens qu'il va faire une réflexion. Attends, on va sauvegarder. Il va faire une réflexion sur la chèvre, c'est sûr. C'est obligé. Oh, la chèvre, qu'est-ce que j'avais galéré sur ce truc. Sur ce passage dans le premier. Ah, il fait pas de commentaire du tout. Ça me paraît étonnant, tiens. Quaramonte, on risque sans doute la peine de mort si on gribouille sur une affiche. Ah oui, certainement, oui. Ah, l'Écosse, c'est ça. Salut Requin, comment tu vas? L'Écosse, c'était trop bien, avec l'autre qui éternue, là. Mais tu sais que maintenant, dès que j'entends quelqu'un qui éternue comme ça, ça me fait direct penser au chevalier de Bafo, mais obligé. Bah, ça va super. Je peux pas y rentrer, là-dedans? Pas du tout. Est-ce que je peux parler aux gens? Je sais pas. Je crois que c'était dans l'autre zone hein, qu'il y avait un truc, mais je suis pas sûre. On va quand même parler aux gens et puis... Dans la baraque, il y a une table minuscule et une chaise. Ouais, mais personne n'est là. Après, je crois qu'on parle pas la même langue, ça va être compliqué. Ok, ça marche, la petite patate. Bisous, merci beaucoup d'être passé, puis bon après-midi à toi. Et j'espère que tu vas retrouver la motivation. Salut. Vous voulez acheter? Pas vraiment. J'ai des choux. Achetez mes choux, seigneur. Non, merci. Ce n'est pas pour ça. Ouais, c'est ça. J'ai payé tout ça pour juste acheter des sous. Alors, ça coûte cher en sous. En choux. Et en sous aussi, mais... La Condor Transglobal, ça vous dit quelque chose? Non. Achetez mes choux. Je vous fais un prix pour 10 achats, seigneur. 10 achats? Je vous dis que je n'ai pas un sou pour vos choux. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Aïe, aïe, aïe. C'est Escalipoca. Oh, cachez-moi ça. Escalipoca apporte le malheur, seigneur. Mais je me demande, lui, pourquoi ils l'ont dessiné comme ça? Il a réussi à faire une phrase sans parler de choux. À plus tard. Pourquoi ils l'ont dessiné, genre, comme ça? Je sais pas. C'est régulier, ça va, ça vient. Bah ouais, y a pas de souci, petite patate. Bisous, bonne journée. On a quoi d'autre? On a la meuf, mais je pense qu'aucun n'a des trucs intéressants. Bon, après, on va leur parler, mais... Dans le doute, comme je me souviens pas forcément à fond non plus des trucs. Salut, sympa le pain. Que? Le pain, le pan. Si, seigneur, pan. Je reviendrai quand j'aurai faim. Le pan. Qu'est-ce qu'il fait là? Salut, vous vendez quoi exactement? Je vous demande ce que... Non, rien, laissez tomber. Ouais, lui, il est chelou, mais peut-être éviter de parler aux gens comme ça, parce que peut-être il y a beaucoup de drogue et tout là-bas, donc... Est-ce que c'est la meilleure des idées? Je suis pas sûre. Hein. Parler à n'importe qui. Ah, il y a un garde, là. On va essayer de lui parler après. Ce sont des calebasses, n'est-ce pas? Si. Ah, d'accord. Attention aux éclaboussures, madame. On va parler au garde.
sinon après on ira à droite. Bienvenue à Quaramonte. Merci. C'est possible d'aller à la capitale en taxi? Ben, c'est ici la capitale. Quaramonte City. Ah bon? Quand part le prochain bateau? Seigneur, notre beau pays ne vous plaît pas? Si, j'aime beaucoup, c'est très joli. C'est très typique. Oh que si, c'est un petit coin de paradis. Alors, pourquoi vouloir partir? C'est juste que j'ai le mal du pays, comme ils disent dans la chanson. Un conseil, Seigneur, si vous avez envie de chanter, mordez-vous la langue. Hein? À Quaramonte, nous avons des lois sur la musique. Ah bon? Nous en avons assez. On retourne au bateau. Quoi? D'accord. Montrez-moi votre carte brune. Quoi? Quelle carte brune? Votre visa officiel des sorties du territoire. Pas de visa, pas de sorties. Attends, du coup, tu peux rentrer, mais tu ressors pas. Pourquoi la musique est-elle illégale à Quaramonte? Ça fait partie du PEC, notre programme d'enrichissement culturel. La musique traditionnelle de Quaramonte n'est pas assez progressiste pour notre époque. Nuestra Señora a décrété qu'il n'existerait plus qu'un seul type de musique audible. Laquelle? L'easy listening. Qu'est-ce que c'est l'easy listening? C'est un vrai... Est-ce que c'est un vrai genre de musique, ça? Je sais pas. Bon bah let's go. Du coup ça doit être ce qu'il joue alors. Qu'il y a lui. Ah oui c'est un genre de musique. Du coup je me demande c'est en quoi. Enfin. Hey les gars, du nerf. Pourquoi ah c'est de la musique d'ascenseur. D'accord, ok. Ils ont arrêté Miguel et ils l'ont jeté en prison. C'était notre joueur de flûte. Pauvre Miguel, il n'a jamais rien fait. Bah il jouait de la flûte du coup Ah ouais, ok, ça c'est un truc qui s'écoute facilement. Alors ouais, mais du coup... Ouais, ça s'écoute facilement, mais c'est facilement énervant aussi, quoi. Moi, poser les questions sur Miguel. Hein. Pourquoi t'ont jeté Miguel en prison? Parce qu'il jouait de la musique folklorique. Quoi? C'est la vérité, seigneur. Il a voulu jouer un morceau traditionnel de Quaramonte, mais c'est interdit. Et si vous jouiez un petit morceau pour vous remonter le moral? Non. On ferait mieux de chercher un vrai boulot. On pourrait se faire 10 fois plus à la mine. Mon cousin Ramirez, il gagnait 8 pesos de l'heure. Jusqu'à ce qu'il perde une jambe dans un accident. Oui. Que ça vaut le coup. Parlez-moi de l'accident de la mine. Il y a eu une explosion à Teoculcan. Et 30 mineurs se sont fait enterrer vivants. Mais certains ont quand même pu en échapper. Ouais, 2 seulement. Dont ton cousin qui a laissé ses jambes au fond du trou. Putain. Attends, il y a 2 personnes qui s'en sont échappées. Eh les gars, vous voulez un biscuit? Un biscuit pour chien? Vous essayez de nous provoquer? Mais non, ils sont bons. C'est ça? Savez. On vous croit sur parole. Vous savez ce que c'est? Non, seigneur. Moi non plus. Lui, il essaie toujours de proposer des trucs aux gens, c'est génial quoi. Par contre, cette possibilité-là, elle était exceptionnelle. Est-ce que ce truc vous dit quelque chose? Aïe! Les dieux rageux! Pourquoi vous vous promenez avec ça, seigneur? Vous ne savez pas de quoi il s'agit? Si, c'est Escalipoca. Mais c'est seulement une statuette. Elle porte malheur, seigneur. Elle provoque la destruction et la mort. Que pensez-vous de ce ver de terre? Aucun intérêt. Il est mort. Bien sûr qu'il est mort, sinon je ne me baladerai pas avec. Oui, un fils, dégueulasse. Regardez le motif sur cette étiquette. Je l'ai déjà vu quelque part. Ah oui? Où ça? J'ai vu un navire qui avait un drapeau comme ça. Quand avez-vous vu ce bateau? Ah! Il y a 3 mois. Il était au port. Ça, c'est intéressant. Le bateau qui avait un drapeau avec le condor, il transportait quoi? Aucune idée. On ne nous a pas laissé approcher des docks. C'est vrai, d'habitude, on accueille les navires quand ils arrivent au port. On joue pour les touristes. Mais pour le condor, ils nous ont dit de déguerpir. Vous savez quelque chose sur une éclipse totale? C'est quoi? C'est quand la lune cache entièrement le soleil. Il est fou. Alfredo, mon cousin. Il est fou. Il jure qu'il en a vu une, mais... C'était après que cet idiot ait avalé un mélange de peyote et d'antibiotiques. Ok. Bon bah là du coup on va revoir quelqu'un. Hein. On n'avait pas vu depuis longtemps. George Stewart. Voilà. Ça, alors Madame Henderson, quelle coïncidence. Qu'on avait vu en Syrie. C'est en Syrie. Crois qu'on les rencontre. Ouais. J'ai rencontré Pearl et Dwayne de l'autre côté du pays en Syrie. C'est un ancien soldat qui se demande s'il travaille pour la CIA. Elle est un peu moins folle.
Dwayne est avec vous, Madame Henderson? Évidemment, je n'aurais pas pu le laisser seul à la maison. Depuis que Dwayne est revenu de la guerre, nous ne supportons plus d'être séparés. Oui, mais où est-il maintenant? On ne se parle plus. Ah bon? Pourquoi? Parce que c'est une tête de mule. Je tiens absolument à aller voir cette pyramide en ruine, mais Dwayne affirme qu'il doit rester en ville. Ah oui? Et vous ne voulez pas y aller seul? Franchement, à quoi ça me servirait d'aller à la pyramide s'il n'y a personne pour me prendre en photo? Meilleure raison. Dwayne travaille toujours pour la CIA? Si c'est le cas, il n'en sait rien. Il est ce qu'ils appellent un ronfleur. Vous voulez dire un dormeur? Non, ça c'est autre chose. Avant, il croyait qu'il travaillait pour la CIA, mais ses séances chez le psy l'ont guéri. Sauf que maintenant, il n'arrive pas à concevoir qu'il travaille vraiment pour eux. Enfin, c'est ce que j'ai cru comprendre. C'est très compliqué là. Le mec, c'est Inception. Que faites-vous à Quaramonte, Pearl? Je me livre à ma passion internationale, la visite des marchés locaux. Vous avez fait tous ces kilomètres pour faire vos courses? Dieu m'a placé sur terre pour faire des emplettes, mon petit dos. Ça revient cher les courses, hein, quand même. Hein. Que pensez-vous de cette pierre, Pearl? Oh, comme c'est mignon. Qu'est-ce que ça représente? Un lapin? Non, je crois plutôt que c'est un coyote. En tout cas, c'est adorable. C'est étonnant qu'elle ne me demande pas où elle peut trouver le même. C'est ça, ouais. Elle aime bien acheter des petits trucs comme ça. Vous aimez cet objet? Quel joli plume! Si j'avais la même, j'en ferais une sublime boucle d'oreille. Ce n'est pas qu'une plume, c'est aussi une redoutable fléchette. Elle a été trempée dans un poison qui paralyse sa victime. Oh, excuse cette méprise, mon poulet. Parfois, quand je parle à Pearl, c'est comme si j'envoyais des signaux dans l'espace. Avec de la patience, on a parfois la surprise de recevoir une réponse prouvant l'existence d'une intelligence extraterrestre. Elle est très très perchée. Hein. Que pensez-vous de cette statue, Pearl? Seigneur, mais c'est le portrait crash de Sheridan, le frère de Dwayne. Quoi? Il est un peu plus poilu, d'accord. Mais sinon, c'est son sosie. N'importe quoi. Tous les mecs, ils ont peur en me disant « Oui, c'est le dieu de la mort » ou je sais pas quoi. Elle, moi, c'est le sosie de mon beau-frère. Hein. Regardez, Pearl. Un verre qu'on trouve dans de la tequila. Oh, Jojo! Cache-moi ce monstre gluant. Sinon, je vais me mettre à hurler comme une actrice de série B. Regardez cet article de journal. Il va falloir que tu me le lises, mon lapin. J'ai oublié mes lunettes dans un bar gay de Santa Barbara. Ça parle d'une éclipse solaire qui va avoir lieu dans quelques semaines. Comment? Et les gens du gouvernement ne nous ont rien dit? Oh, ce n'est pas vraiment dangereux. Il semble que le meilleur endroit pour y assister soit ici, à Quaramonte. Vraiment? Je crois que ça ne l'intéresse pas le moins. Ouais, elle s'en fout complètement. Bisous, à plus tard. Il y a le marchand de poissons, on lui a pas parlé, mais on va y aller. On va aller à la police d'abord. Hey, Nico! Je crois que Nico, à un moment, nous sert à... Ouais, c'est ça. À... Je crois que lui, il l'aime bien, là. Il est tout fait selon vos instructions. Ouais, lui, il l'aime bien, là, Nico. Et du coup, on capte son attention avec pour faire autre chose, fermée, je crois. Plus personne ne viendra fouiner autour de vos travaux. Ah, il y a de la visite. N'oubliez pas ce que je vous ai dit, général. Inutile de faire de cet homme un martyr. Ouais. Le prof... Il a des dents, lui. Je suis désolé de vous avoir fait attendre, seigneur. Bienvenue à Quaramonte. Merci. Je m'appelle George Stobart. Je viens de Californie. Ma, qui est-ce? Voilà, mec, il s'en fout complètement de notre gueule. Veuillez m'excuser, signorita, mais je n'ai pas pu m'en empêcher. Écoutez, nous aimerions vous poser quelques questions. Je suis l'homme qu'il vous faut, seigneur. Et on voit Georges qui fait bah... Général Graciento, à votre service. Ah, écoutez, je me permets de refaire une petite pause très rapide. Et on reprend tout de suite.
Ok, let's go, on va parler avec Jean-Mi. Nous sommes à l'office du tourisme. Dehors, il y a marqué gendarmerie. Oh, les deux, seigneur. Je suis un homme à multiples facettes. Je l'avais remarqué, général. Avez-vous déjà entendu parler d'un certain Karzak? Ah non, non, jamais. J'ai entendu dire qu'il y avait eu un accident à la mine, il y a quelques mois. C'est exact. De nombreux ouvriers ont été tués, n'est-ce pas? Oh, quelques-uns. Une trentaine. Bah, ce n'est même pas 1% de la population active. Ah bah super, c'est sympa. J'aime bien la tête genre, oh. C'est vrai qu'il y a une censure sur la musique à quoi remonter? Oui, c'est exact. Une mesure d'urgence décidée par notre seigneura. Pour le peuple, la musique folklorique est un lien avec le passé. Si vous leur volez leur racine musicale, qu'est-ce qu'il leur reste? Lazy listening. Vous croyez que lazy listening peut remplacer leur héritage musical ancestral? Pourquoi pas? C'est ce qui est arrivé chez vous, non? Non. Est-ce qu'il y a des ruines autour de la ville? Bien sûr, seigneur. Il y a tout ce que vous voulez à Quaramonte. Une de mes amies voudrait visiter un site archéologique. Reynaldo se fera un plaisir de vous y emmener lorsqu'il aura terminé avec la paperasse, bien entendu. Bien entendu. Allez. Qui était cette personne avec qui c'était, vous discutiez? C'était le professeur machin. C'est le professeur Houbier, un visiteur, seigneur. Comme vous. Vous avez dit Houbier? Oui, seigneur. Professeur Houbier, un archéologue. Bien entendu. Boyo là qui là. Comment va tout? Que fait-il à Quaramonte? Il fouille notre précieux et glorieux passé, seigneur. Il prépare une expédition vers des ruines mayas. Il est venu me revoir pour obtenir un permis de fouille. Eh ben, ça va bien, merci. Alors... Et comment te sens-tu après ton fêtage de un an de chaîne de stream? Ça ne veut rien dire, ma phrase n'est pas française du tout. Mais est-ce que tu as passé un bon moment? Comment ça s'est passé? Oui, c'est ça. What the fuck? Est-ce que tu es heureux de comment ça s'est passé? Est-ce que tu es prêt pour ta deuxième année de stream? Nous en avons assez de quoi remonter. Nous souhaitons partir. Qui vous en empêche? Un homme sur les docks m'a dit qu'il me fallait une autorisation de sortie. Demandez à Reynaldo. Il arrangera tout ça. Il est là pour ça. Reynaldo? Ah oui, c'est vrai qu'il nous fallait le visa pour sortir. Vous voulez un biscuit? Vous essayez de m'acheter? Chaque homme a son prix. Le mien est plus élevé qu'un biscuit, Seigneur Stobart. Moi, si tu me donnes un mochi, ça tout peut se dealer. Hein. Il y a des accords qui peuvent se conclure, on ne sait jamais. Vous avez déjà vu quelque chose comme ça? Une sculpture indigène, n'est-ce pas? Où l'avez-vous trouvée? Nous l'avons achetée sur le marché. C'est un souvenir pour touristes. Bien content, très heureux que vous soyez passé. Bah, avec plaisir, Akira, avec plaisir. Désolé de ne pas être passé le soir pour jouer et tout. J'avoue qu'on a fait une petite journée avec mon compagnon, ça faisait très longtemps. Content que ce soit passé. Ah, tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Et du coup, ouais, tu recommences... J'ai des chats qui se battent, je crois, je suis pas sûre. Tu continues, du coup, les gens en stream, c'est ça? Resident Evil, tout ça? Que pensez-vous de cette culotte, général? Oh, seigneur, fabuloso. Elle Pardon. Est à vous si vous me dites tout ce que vous savez. Non, mais on va pas ça. Donner des culottes aux gens pour obtenir des choses. Je ne le connais pas. Bon, la culotte... Je vous ai dit tout ce que je sais. Mais il est malade, lui. Vous ne m'avez rien dit du tout. Attends, le mec voulait vraiment la culotte. Ouais, c'est sur PC, Akira. Sur, alors, je pense que sur GOG, il doit y avoir. Mais là, c'est sur Steam. Ils ont fait la version remasterisée. Donc, du coup, pas de soucis de compatibilité ni rien, quoi. Regardez donc cette étiquette. Oui, seigneur. Condor Transglobal. Pouvez-vous me dire où je peux trouver leur bureau? Non, seigneur. Je n'en ai jamais entendu parler. Et Reynaldo non plus. Un peu du mytho. Hein. Je reviendrai. Oh non. Mais non, mais non. Vous êtes certain de ne jamais avoir entendu parler de la Condor? Oui. Cette société est immatriculée ici, à Quaramonte.
Vous vous trompez, señorita. Les musiciens sur la place m'ont dit qu'un navire de la Condor était à quai ici. Ce ne sont que des pecnos. Ils vous diront ce que vous voulez entendre pour vous soutirer un peu d'argent. Tu dis, t'as de couture dans tes villes, terminé quelques jeux. Ah, Elden Ring, très bien. Très bien. J'ai hâte de te voir te lancer dans Elden Ring. Si t'as pas fait celui-là il y a longtemps, c'est relaxant. Et point and click. Ah, mais c'est clair, c'est cool. Puis ça rappelle des bons souvenirs, quoi. Quand on était jeune et innocent. La Condor est dirigée par Karzak, n'est-ce pas? Vous vous trompez encore, señor. Karzak n'a rien à voir avec ce Condor ou je ne sais quel autre animal. Vous tenez un registre des sociétés immatriculées à Quaramonte? Bien sûr, señorita. Malheureusement, tous les registres ont été détruits dans une inondation. Et aussi le temps où, quand on faisait des énigmes, ça nous prenait 6 heures pour trouver la solution. Vous savez quelque chose au sujet de l'éclipse qui va avoir lieu, général? Ce genre de choses ne m'intéresse pas, señor. Je reviendrai. Il y a des documents. Je n'ai pas besoin de courrier publicitaire. Surtout s'il ne m'est pas adressé. Ouais, c'était... Enfin, après, ça dépend, tu vois, parce que là, j'ai bien avancé, du coup. Mais c'est vrai, quand j'étais petite, je trouvais que c'était assez... Bonjour, je m'appelle George. Assez compliqué, quoi. Bonjour. Je peux vous aider? Est-ce qu'il y a une pyramide à Quaramonte? Si, señor. Mais elle n'est pas très belle. Il n'y a plus que des ruines. Excellent. Vous pourriez faire visiter la pyramide à une amie? Impossible. Le général aurait une attaque si je laissais tout le travail en plan. Ok. J'essaie de Il nous faut le visa, si nous. Si on m'avait donné $1 chaque fois que j'ai entendu ça, je pourrais racheter la moitié du pays. Quoi? Et mon visa? On est touristes, nous. On n'accepte pas la visa. Je ne parle pas de carte visa, mais de mon visa. Je ne peux pas vous aider, señor. Je n'y connais rien. Sympa. Je me souviens avoir galéré. Ouais, c'est ça, hein. C'était compliqué. Hein. Je me souviens qu'à l'époque, j'avais carrément... Alors, soit il y avait les Solus dans les anciens magazines de consoles, soit j'avais regardé sur le Minitel. Voilà. Vous voulez un biscuit pour chien? J'aimerais bien, señor. J'aimerais bien, mais... Non, mais... C'est pas bon pour les dents. Vous avez des caries? Lui? Non, señor. C'est le général. S'il m'attrape... Lui, il n'est pas offusqué, hein. Travail, il va me faire sauter les râteliers. Vous reconnaissez cette statue? Cet Escalipoca, le vent du soir. Cachez-moi ça, señor. Cette statue est maudite. D'accord. Vous avez entendu parler d'une prochaine éclipse? Non, señor. Vous savez, les générales laissent beaucoup de choses dans l'ombre. À plus tard. Je dis, les voix, c'est énorme dans ce jeu. Mais ouais, c'est ça, non mais... C'est ouf, hein, c'est trop bien qu'ils aient doublé le jeu. Mais je trouve que, à l'époque, je crois que Discworld s'était aussi doublé. Tout ce qui était Discworld, Trade Baphomet, il y avait Blazing Dragon. Il y avait plein de trucs. Je trouve qu'il y avait plus d'efforts de doublage. Que là où, parfois, bon, vas-y, le doublage en français, bof, quoi. Après, c'était peut-être aussi des jeux faits par des Français, je sais pas. Je vais être Baphomet, oui, je crois, normalement, mais... Ah, je crois qu'il faut détourner son attention pour pouvoir regarder la carte. Señor. Voilà. C'est ça. Ne touchez pas à cette carte. On va essayer de... Normalement, si on fait le tour, on a le mec qui est emprisonné, là. Je sais plus comment il s'appelle. Javier, non Je sais plus. Ils nous ont parlé de les mecs qui faisaient la musique. Ils nous ont parlé d'un de leurs potes qui avait été emprisonné. Pourquoi lui avoir montré la pierre? Je pensais qu'il savait peut-être quelque chose à son sujet. Bah, maintenant c'est fait. Il sait que nous l'avons.
Tu as remarqué ce panneau dans la gendarmerie? Oui, ça ressemblait à une carte, mais je n'ai pas pu la voir en détail. Quoi qu'il en soit, le général ne voulait pas qu'on s'en approche. Ouais, il va falloir détourner son attention. Attends, je vais lui montrer les autres trucs et après je vais parler du général et tout, parce que je pense que peut-être qu'on pourra lui demander à ce moment-là de détourner l'attention. Tu sais quelque chose au sujet de cette pierre? J'ai l'impression que ce motif représente un chien. Un chien mexicain. Alors ce serait la pierre sacrée du Chihuahua? Oh là là! Regarde ça. Mon Dieu, où as-tu trouvé ça? Ce n'est pas à moi, je l'ai trouvé chez Oubier. Jette un coup d'œil là-dessus, Nico. C'est répugnant, Georges. Pourquoi tu trimbales ça avec toi? Je n'en sais rien. Je ne peux pas m'en séparer. C'est notre petit verre à nous, regarde quoi. Regarde un peu ça. Une éclipse solaire. Tu te passionnes pour l'astronomie maintenant? J'ai trouvé cette coupure de presse chez Oubier. Apparemment, elle n'est visible qu'en Amérique centrale. Qu'on est au bon endroit. Au bon endroit, au bon moment. Devine ce que c'est. Allez, devine. C'est de l'acier. Ça vient certainement d'une cheminée ou d'un vieux four. Eh bien, je suppose que oui. Comment sait-elle ça? Mon grand-père travaillait dans une fonderie. Un biscuit? Veux-tu un biscuit? Un biscuit pour chien? Tu manges ce genre de truc? Bien sûr, ils sont délicieux. Pour l'instant, il y a un mec qui nous a dit « Ouais, trop bien, mais je peux pas bouffer au boulot. » L'homme que nous avons vu parler au général, c'était Oubier. Tu ne l'as pas reconnu? Mais je ne l'ai jamais rencontré. Le type à qui j'ai parlé à Paris se faisait passer pour lui. Et il n'avait rien à voir avec l'homme de la gendarmerie. Peut-être que le professeur est vraiment innocent. Ça m'étonnerait. C'est vraiment trop étrange qu'il soit aussi à Quaramonte. Ah ouais, non, ils étaient british, d'accord. Ah, tu vois, c'est marrant. Il y a beaucoup de... Je trouvais qu'il y avait quelques point and click très connus où ils ont fait l'effort de faire des voix en français. Et maintenant, t'as l'impression que bon, c'est... Ça les fait chier, c'est plus trop utile, quoi. C'est ça. Et merci Akira, du coup. Lobino m'a dit qu'il te voyait souvent en ce moment. On déjeune ensemble, on prend un verre. Tu sais ce que c'est. Après ton départ pour les États-Unis, je me suis sentie plutôt seule, tu sais. Tu parles. Tu devais être au bord du suicide pour appeler Lobino. Tu ne pouvais pas aller au zoo ou quelque chose comme ça? Mec, aggrave le sel. Tu as été un peu fort avec le général. Le sel. Je flattais son ego, Georges. Chaque homme a son talon d'Achille. Peut-être. Mais la faiblesse de ce bonhomme-là ne se situe pas dans sa chaussure. Ah non, non, c'est un peu plus haut, un chouille plus haut. Donc je crois, attendez, on va sauvegarder. Je crois que sur le côté, nous avons... Attends, on va peut-être mettre plutôt là. Je crois que sur le côté, nous avons... le prisonnier. Ah, on a oublié, tiens, qui est là, et qui parle à Dwayne. Ah, intéressant. Professeur Oubier? Oui. Qui êtes-vous? Je m'appelle Stobart. George Stobart. Je me disais bien que je te connaissais. Tu te souviens de moi, George? C'est moi, Dwayne Henderson. Salut, Dwayne. Excusez-moi, mais j'ai quelques questions à poser au professeur. Coucou, Dragonix. Comment tu vas? Tu dis, t'adores ce jeu, je possède. Et t'as fini tous les Broken Sword. Ah! Presque tous. Du coup, lesquels tu n'as pas fini? Lesquels il te manque à ton palmarès? Est-ce que le nom de Karzak vous dit quelque chose? Oui, je le connais. En fait, c'est grâce à lui que je suis là. Quoi? Ah oui, ça m'avait choqué, genre il change de voix en fait. Un peu. Merci beaucoup pour le follow Dragonix. Bienvenue sur la chaîne. Possède des tonnes de point and click sur PC. Un super grand fan de point and click depuis 93. Waouh! Bah écoute, moi aussi je suis fan des point and click, j'aime beaucoup. Et du coup, alors quels seraient tes préférés? Qu'est-ce que tu dirais, ceux qui t'ont marqué anciennement ou récemment, hein, du coup, en point and click? Parlez-moi de votre femme, professeur. Écoutez, il m'est très difficile d'en parler. Ah. Tu dis Broken Sword, t'as pas fait le 3 et le 4. Ouais, c'est ça, pareil, hein, j'ai pas fait le 3 et le 4. Je me tâte à les faire sur la chaîne, mais je me dis que c'est de la souffrance. J'ai absolument pas aimé le passage à la 3D. Par contre, j'ai fait le 5 qui était très bien. Ouais, c'est ça. C'est ça. Le 5, par contre, était assez sympa. Ça renouait pas mal avec l'esprit et tout des deux premiers avec des petites allusions, etc. Quoi, des petits clins d'œil. Mais ouais, non. 2 et 3, pas top top. Hein. Voilà. Sinon, t'avais aussi les Discworld, il y avait Blazing Dragons. Blazing Dragons, c'est pas très connu, je trouve. C'est dommage. Il était vraiment bien, ce jeu. Et trop d'humour. Trop d'humour en mode Monty Python. Je crois d'ailleurs que ça a été...
pas écrit autre chose par un des Monty Python, je ne sais plus. Mais ça, il faudrait que je vous le fasse découvrir. Il faut juste que, bah, que j'arrive à bien le faire passer en stream, quoi. Mais ça serait trop bien. Alors, c'est moi qui parlerai. Pourquoi était-elle connue sous le nom de Bavarde Bavaroise ? En fait, elle était originaire d'Autriche, mais elle avait peur qu'on la surnomme l'Autruche autrichienne. D'accord. Que savez-vous de l'enlèvement de ma petite amie ? Je ne vois pas de quoi vous voulez parler. Bah oui, elle mais a été bien, c'est invitée moi. Chez vous, à Paris. Pas par moi, en tout cas. Je ne suis pas rentré à la maison depuis près de 7 mois. Oui, c'est ça, mais lui, je pense qu'il est innocent. Enfin, je sais pas s'il est... Je sais plus s'il est innocent, lui. Ne dites rien hein, pour ceux qui ne savent pas, et puis j'ai oublié. Mais. Vous avez un majordome ou un domestique originaire d'Amérique centrale ? Je n'ai jamais employé de domestique, monsieur. Ouais, c'est ça, il y a un mec qui s'est vraiment fait passer pour lui. Vous voulez un biscuit ? Non, merci. Vous devriez, ils sont bons. Non, moi, merci. J'en raffole. Ah, mais c'est un biscuit pour chien. Vous pouvez me parler de cette pierre ? Où avez-vous trouvé ça ? C'est mon affaire. Combien voulez-vous pour cette pierre ? Elle n'est pas à vendre. Vous voulez combien ? Vous voyez cette étiquette ? Oui, c'est celle d'une compagnie appelée Condor Transglobal. Et alors ? Je pense qu'elle est basée ici, à Quaramonte. Savez-vous où je pourrais trouver les bureaux de la Condor Transglobal ? Cette compagnie n'existe plus. Elle a fait faillite récemment. Vous pouvez identifier cette statuette, professeur ? Oh. C'est Tezcalipoca, le seigneur des ténèbres. Un dieu méso-américain ? Une divinité supérieure. Tezcalipoca signifie littéralement « miroir incandescent ». Tenez, vous voyez le bouclier en forme de miroir dans sa main gauche. Les Mayas croyaient qu'ils pouvaient pénétrer dans le cœur des humains en regardant dans ce bouclier miroir. Pour eux, Tezcalipoca était un vent qui soufflait la nuit. Ah, c'est ce qu'il a dit, celui qui souffle alors, la nuit ou je sais pas quoi. Victimes par centaines. Des sacrifices humains ? Hommes, femmes, enfants, animaux, tout ce qui pouvait saigner. Les marches de son temple sont devenues rouges du sang de ses sacrifices. C'est une bonne ambiance ou pas, là ? J'espère que je ne serai pas dans les parages à ce moment-là. Mmh. J'espère que tu meurs pas, parce que je crois qu'il y a des gens qui meurent quand même. Hein. Alors, tu dis, t'as fini les Gabriel Knight, les Ursuites Larry, Phantasmagoria, Monkey Island, Mist Runaway, Runaway, c'est sympa, Siberia, Journeyman Project, je connais pas du tout. Je connais pas du tout ceux-là. Tous les autres, je vois. Du coup, tu les as fait, les récents, les Ursuites Larry. Est-ce que tu trouves qu'ils sont bien, qu'ils gardent l'esprit des anciens avec un petit côté neuf au niveau des graphismes ? Des mystes, d'accord. Ouais, point and click énigme, quoi. Oui, attention aux légendes Maya, Akira, exactement. Exactement. D'accord, t'as pas fait les récents. Ok, ça pourrait être, je sais pas. Franchement, je sais pas s'ils sont bien ou pas. Et du coup, ouais, en plus récent... Putain, j'ai dans ma tête, mais moi, je me dis point and click récent. Ah, il y a les... Putain, j'ai plus le nom. Secret Files. Secret Files était pas mal aussi. Les Secret Files étaient pas mal. Je réfléchis à des point and click auxquels j'ai joué. Après, il faudrait que je regarde ma bibliothèque. Hein. Mais les Secret Files étaient très sympathiques. T'avais aussi... Un autre truc, je me souviens plus. Ah, bah franchement, ils sont super bien. J'avais bien aimé. Un peu moins le 3, je crois, de Secret Files. Mais les deux premiers étaient cool. Déponia, c'était sympa aussi. C'était sympa. Par contre, c'était vachement corsé en termes d'énigmes. Mais j'avais pas du tout... je crois que j'ai même pas fini le premier, en fait. Faudrait que je m'y replonge parce que j'étais plus jeune. Donc, il y a des trucs, je pense, que j'ai pas trop compris ou autre. Mais apparemment, ils sont pas mal corsés. Ils étaient offerts, je crois, sur... Sur Epic, la trilogie. J'ai la preuve que vous êtes en relation étroite avec la Condor. J'utilisais cette compagnie pour le transport des pièces archéologiques vers une galerie à Paris. À part ça, je n'ai aucun lien avec cette compagnie qui, je vous le répète, n'existe plus. Vous êtes au courant pour l'éclipse, professeur ? Bien sûr. Ce n'est pas pour cela que je suis à Quaramonte, mais je tiens absolument à la voir. Pourquoi vous intéressez-vous à l'éclipse, professeur ? Oh, il s'agit d'une simple curiosité de profane. Mon domaine, c'est l'histoire, pas l'astronomie. Mais je suis fasciné par les mouvements des corps célestes depuis ma plus tendre enfance. Je ne manquerai une éclipse totale pour rien au monde. Attendez.
Non, je sais pas. Il y a une odeur bizarre, ça me fait peur. Pour le 3, t'as un patch FR pour mettre les sous-titres en français. Le 3, Déponia 3 ? C'est ça ou pour le Myst, je sais pas. Cette éclipse a une signification particulière pour vous ? Pour moi, non. Mais pour les anciens Mayas, elle marque la fin du cinquième âge. Peut-être que nous devrions aussi la célébrer. Oh non. La fin de chaque âge signifie le chaos à l'échelle mondiale. Le cinquième âge est le dernier. C'est-à-dire qu'il s'achève par la destruction totale de la Terre. Et ça, c'était pas en 89 ou 98, oh non, ou en 2000, le truc Maya, regardez là. Regardez donc ça, professeur. Ils ont peut-être surfé là-dessus. Comment avez-vous obtenu ce document ? Ce n'est pas le problème. Comment expliquez-vous ces retraits ? Je laisse à ma secrétaire le soin de s'occuper de mes finances. Et ça concerne aussi les retraits en espèces sur votre compte personnel ? J'ai une confiance aveugle en Gwyneth. Et pourquoi Marseille ? Pourquoi la ville où les ravisseurs ont emmené trop de questions, hein, Jean-Mi. Évidence, Tabart. Nous sommes tous les deux victimes de la même machination. Quelle machination ? Je n'en ai aucune idée. Tu dis Secret Files 3. Ah, parce qu'il n'est pas en sous-titré français ? On va parler à Dwayne. Ouais, c'est ça, 97. Mais du coup, je me dis, est-ce qu'ils n'ont pas justement surfé sur un peu sur le truc, genre, parce qu'il y avait l'histoire du calendrier Maya en l'an 2000, un truc comme ça qui devait... c'était la fin du monde, je sais pas quoi. Donc je pense qu'ils se sont basés... Enfin, peut-être qu'ils ont eu l'idée par rapport à ça. Je sais pas si on en parlait à l'époque, quelques années avant ou pas. Vous travaillez toujours pour vous savez quoi. Qui ça ? George, tu sais bien que je suis à la retraite. Excusez-moi, je vous ai confondu avec quelqu'un d'autre. Oh, ça m'arrive tout le temps, moi. C'est genre, je me confonds, moi aussi. Vous voulez un biscuit, Dwayne ? Non, merci. Ces amuse-gueules pour chiens me donnent de l'urticaire. Vous en avez déjà mangé ? Ils étaient en promo. Pearl en a acheté toute une caisse. Quand je lui ai demandé si elle comptait aussi acheter un chien, elle s'est contentée de rigoler. J'ai fait la même tête que Jean-Jean. Quoi ? Ah, mais oui, c'est ça, oui. Alors, t'avais 99. Attends, 99, t'avais le truc de Paco Rabanne, là, ou 98, je sais plus. Je crois que c'était ça. En 2000, t'avais le bug de l'an 2000. Et en 2012, ouais, donc ouais, non, non. Effectivement, c'est beaucoup trop loin pour que... Après, ils ont dû faire des recherches, mais ouais, c'était beaucoup trop loin. Vous pensez que le général est mouillé dans l'affaire Condor ? Certainement pas. Mais c'est le général. Moi, je suis bouddhiste. Non, ce n'est que l'homme de paille de celle qui a le pouvoir. Vous voulez dire que le général n'est qu'un pantin ? Ce type, c'est Pinocchio avant qu'il tombe sur la bonne fée Clochette. Un morceau de bois avec des ficelles. Et qui les tire, ces ficelles ? Sa mère, la présidenta. Ah, mais oui, c'est son fils. C'est son fils. Ah, et Dragon X, du coup, niveau sur 1, 2, 3. Concernant les Monkey Island, t'as préféré lequel, du coup ? Ou lesquels, hein ? Kazak. Ce nom vous dit quelque chose ? Un méchant de bande dessinée ou quelque chose comme ça, non ? C'est le patron de la Condor. C'est ça fait un peu ça comme nom. Qui a kidnappé Nico. Tu sais, la première fois que je t'ai vu, j'ai été très impressionné par la simplicité de ta naïveté. J'ai dit à Pearl, si nous avions des enfants, j'aimerais qu'ils soient comme George. Mais je t'ai sous-estimé, mon garçon. Le 3, qu'elle soit seule à être doublée en français. Ouais, pareil, j'avais bien aimé. Je le trouvais ouf, en fait. Ouais, je trouvais que les énigmes étaient un peu plus accessibles, parce que les premiers, ça se voit que c'est vraiment très, très à l'ancienne. Et ouais, les doublages, ils étaient exceptionnels. Hein. Avec El Pollo Diablo et tout. Mais écoute, tu vas être content, parce que je compte le faire sur la chaîne, du coup. Je compte le faire sur la chaîne. J'espère que... Je sais pas comment ils vont faire pour le prochain, là. Retourne to Monkey Island. Est-ce qu'ils vont nous faire un doublage ou pas ? Ça serait bien. Vous savez que la musique locale est interdite à Quaramonte ? Vraiment ? Ça n'est peut-être pas une mauvaise idée. Je ne suis pas de cet avis. Le chef d'orchestre du parc municipal a été arrêté à cause de sa musique. Je ne sais pas quelles sont tes sources, mon garçon, mais je peux te dire que ce Miguel est un agitateur. Un provocateur, un animal. Voilà, si vous avez reconnu cette chanson, bien sûr, vous pouvez sortir avec moi. Carton rouge. Coucou Gavard, comment tu vas ? Ouais, c'est ça, c'est Return to Monkey Island, ouais, ouais. Mais du coup, ça serait bien qu'il fasse aussi les doublages en français, vu que Ron Gilbert avait dit qu'il allait prendre des idées du 3 et des suites et les mettre dans ce que lui voulait faire de son troisième à lui. Donc, ça pourrait être cool.
My name is Jean-Pascal, ouais. La tristesse, quoi. C'était la bonne époque. Il y a un nouveau Siberia. Oui, aussi, tu l'as fait, du coup, le nouveau Siberia. Coucou, Dark Mimolette, comment tu vas? Un jeu dans l'univers des chouettes... Ah bah, c'est les chouettes Baphomet 2, du coup, Dark Mimolette. Quel est le vrai motif de l'arrestation de ce musicien? Il distribuait des textes révolutionnaires à la mine. Ce pseudo-général attendait Miguel de pied ferme quand il est revenu en ville. Il a emmené l'arme au poing jusqu'à la prison et l'a enfermé pour incitation à l'émeute. Ah ouais, alors attendez, parce qu'il y a beaucoup de trucs là. Secret Story, c'était trop bien. Non, c'était pas Secret Story, c'était en plus, c'était la Starak. C'était la Starak, Akira. La Koum Koum Mania, mais oui. Choper la Koum Koum. La seule chanson que le mec pouvait, pouvait sortir et chanter, parce qu'il chantait tellement mal que... T'as pas encore fait le nouveau Siberia, d'accord. Et qu'est-ce que t'as fait du coup en jeu récent, on va dire, Dragon X, de ces dernières années, hein. Mais oui, jeu mythique, c'est génial. La Starak. J'ai connu la Starak car je suis vieux. On a tous connu Akira. Et puis t'es pas vieux, 41 ans. Je suis content de m'être trompée, ça prouve des choses. Alors je sais pas si c'était mieux comme référence Secret Story ou Starak, hein, Akira. Kairim, d'accord. Et du coup, t'as bien aimé? J'ai déjà eu l'occasion de parler avec Pearl. Ah oui? Elle t'a dit que nous nous sommes un peu accrochés? Oui, en effet. Oh, ça lui passera. C'est vieux, tu commences à avoir des cheveux blancs. Oh, tu peux avoir des cheveux blancs à n'importe quel âge. Hein, Ah ouais, voilà, Loft Story. C'était bien, ça. Le Loft. Et tu sais, ouais, voilà. Hein, des fois, j'ai un poil de sourcils blancs. J'ai des cheveux blancs. Et j'ai 34 ans. Donc, tout peut arriver, hein. Ton jeu de prédilection. D'accord, ok. Ouais, donc du coup, tu te refais de temps en temps des petites parties. Pardon, genre là, en ce moment, tu joues à quoi? Tu termines dans Skyrim? Vous êtes venu jusqu'ici en voiture? Moi? Sûrement pas. C'est Pearl qui conduisait pendant que j'étudiais la carte. Il faut la voir au volant. À croire qu'elle s'est tapée toutes les autoroutes de la Terre. Ah non, mais il n'y a pas qu'un poil blanc sur les sourcils, hein, Kira. Il y a aussi les cheveux, hein, sur les côtés des cheveux. J'ai des cheveux blancs, hein. De temps en temps, je fais une petite teinture histoire d'eux, mais ça commence, hein, les cheveux blancs. Qu'est-ce que vous avez dans votre camion, Dwayne? Oh, rien. Des affaires de camping, des sacs de couchage, des tentes. Avec Pearl, nous avons toujours eu une passion pour le grand air. Ça ne vous fait pas peur de camper en pleine jungle tropicale? Tu sais, on a déjà fait du camping en Virginie du Sud. Alors ça, c'est de la gnagnote en comparaison. Vous voulez que je vous prête mon morceau de charbon porte-bonheur? Pourquoi faire? Pour commencer, nous sommes arrivés à Quaramonte en un seul morceau. C'est pas fou. Après quelques jours dans ce trou, tu vas vite comprendre que tu n'as pas autant de chance que tu crois. Tu joues à Skyrim? Ah oui, l'anniversaire édition. Ouais, c'est vrai que t'as de quoi faire. Hein. T'as de quoi faire. Surtout qu'ils avaient inclus des mods ou des trucs comme ça dedans, je crois. Ça fait plus de 10 ans que j'ai des cheveux blancs, mais j'échappe à la calvitie. Oui, c'est ça. Après... Je me dis, bon, sauf si ça te va vraiment pas, pour les mecs, la calvitie, ça fait moins chier que pour les meufs. Hein. J'ai toujours dit, hein, je vous le dis, hein, si moi je perds des cheveux trop jeunes, je me ferai des implants, j'en ai rien à foutre. Mais vraiment, c'est hors de question que je n'ai pas... Tu vois, à 70 ans, peut-être, je m'en bats les couilles, mais là, non. Là, ça n'existe pas. Mais oui, après, il y en a qui disent c'est le stress, tout ça, les cheveux blancs... Nick, voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. C'est la vie. Vous savez quelque chose sur une société de transport, la Condor Transglobal? Jamais entendu parler, fiston. Ok, vous voulez un string? Que pensez-vous de cette culotte, Dwayne? God, ça me va chauffer dans ta chaumière, mon gars. Tu as acheté ça pour ta copine? Non, c'est un type. Ça a chauffé dans ta chaumière. Oh, un ménage à trois, je vois. Oh, oh. Qu'est-ce que c'est que cette phrase à chauffer dans ta chaumière? Mais pourquoi tu me regardes comme ça, George? Laissez tomber. C'est quoi cette tête? Je crois qu'il y a l'autre derrière, là. Ah, attends, est-ce que je peux aller?
Des tonnes de point and click côté avec Scum. Ah bah oui, bah de toute façon sur Scum là, il y a le, tu sais, le, je crois que c'est Abandonware ou je sais pas quoi là. T'en as tellement. Ah mais lui c'est qui? Qu'est-ce que tu fais là, Jean-Mi là? Ça, il a, y a plus de jambes. Ah mais c'est le frère de l'autre, je pense, qui a plus de jambes, non? Que pouvez-vous me dire sur la compagnie minière? Le général a fermé une de leurs mines après l'explosion. Pas mal d'ouvriers y sont restés. Voilà, c'est ça. Je n'y ai laissé que le frère de l'autre. Que pensez-vous de cette pierre? C'est une obsidienne, une roche volcanique qui a refroidi si rapidement que... Oui, oui. Il s'y connaît grave, lui. Ce n'est pas la géologie qui m'intéresse. Ah bon? Alors c'est certainement le motif qui y est gravé. C'est ça. Dans ce cas, vous devriez parler au professeur. Il est là-bas. Il parle. Mais je lui ai déjà parlé. Dans le camion. C'est déjà fait. C'est déjà fait. AMP. Ouais, pourquoi pas, Dragon X. Pourquoi pas. Après, je crois. Attends, je regarde un truc. C'est vrai que ça serait bien aussi de les faire avec vous, les Secret Files. J'avais zappé. Bon, je vais d'abord me baser sur les. Sur les plus anciens. Mais c'est vrai que ce serait bien. Vous savez ce que cette statue représente? Pensez, je sculptais ce genre de choses pour les vendre aux touristes, mais ça effrayait les gens du coin, alors j'ai arrêté. Oui, c'est vrai que, ouais, ça fait un peu vous peur. Vous connaissez le motif sur cette étiquette? Bien sûr, c'est le logo de la société de transport Condor Transglobal. Ils ont des bureaux à Quaramonte? Non, mais c'est leur port d'attache. C'est ce que j'y pensais. Ouais, sinon, Dragon X, laisse. Hein. Je vois que sur Steam, il est en français. Donc, si je pense que je prendrai le pack et puis je les ferai via ça, hein, je pense. Hein. Vous avez vu le navire de la Condor? Non. Mais les docks sont juste de l'autre côté de la place. Il pourrait aussi bien être de l'autre côté de la Lune. Le gars, il a pas de jambes, il est sur son truc, là, roulette, là. Ah, je sais pas. Je sais pas, sur Steam, je le vois en français. Attends, parce que j'ai... Non, mais attends, j'ai basculé sur Elden Ring, là. Qu'est-ce qui se passe? Vous avez entendu parler de l'éclipse solaire? Bien sûr. Je donne une fête à cette occasion. Passez donc. Vraiment? Oui. Il y aura à manger, à boire, et tout le monde est invité, sauf le général. Ah non, t'as raison. Ouais, ouais, je veux bien le lien, ouais. Je sais pas pourquoi, j'avais basculé ensuite sur Elden Ring. Je ne sais pas ce qui s'est passé. C'est trop bizarre. C'est très con aussi, surtout. Pourquoi vous ne voulez pas du général à votre fête? Parce que s'il vient, il va apporter ses horribles disques des 70s. Ah, c'est juste pour ça, c'est pas parce qu'il peut pas le saquer. Mais du coup, c'est pas un lien, tu sais, qu'il y avait sur... Ah, je sais plus le site. Il y a un site où ils font des trades en français, de certains point and click. Mais merci Dragon X. Que pensez-vous de cette culotte? Génial, elle est à vous? Non, pardon. Quelqu'un l'a envoyée à ma copine. Tu parles d'un tact? Mais il y a vraiment des gens qui disent ça, que pensez-vous de cette culotte, c'est génial. C'est très bizarre. Du coup, on va reparler à Pearl. Peut-être que Dwayne, il cache un truc là, ça me paraît vachement chelou. Et il faudrait aussi qu'on distrait le mec là. Qu'on distrait le général pour qu'on puisse regarder la carte. Ah voilà, hop. Il paraît que vous êtes venu jusqu'ici en camion. C'est exact. Tu devrais voir l'état de certaines routes. Quelle tristesse de voir que de nos jours, il existe encore des endroits qu'on ne peut pas atteindre en voiture. À quelques années de l'an 2000, on pourrait croire que les autoroutes ont recouvert le globe. Mais non! Yeah, et le général? Vous avez rencontré un type qui se fait appeler le général? Non. Ah, ou alors c'est Pearl, peut-être. Je sais plus. Je suppose que oui. Il a plein de médailles laquelle, sur son uniforme. Sauf qu'elles sont placées du mauvais côté. À plus tard, Pearl. Ok, ça marche, Akira. Bah écoute, bonne sortie. Et puis, merci pour le lurk. Des bisous. Est-ce que je peux... Attends, je vais essayer de leur reparler. Nico. Ah bon, je suis obligée d'aller avec elle. J'allais dire, je vais essayer de parler à Nico. Est-ce que je peux reparler au général? Sinon, j'essaierai de parler à Nico, mais je crois qu'il faut qu'on lui parle dehors, hein, pour que ça fasse quelque chose. Je suis pas sûre. Ou alors, fallait peut-être lui parler à l'intérieur pour qu'on ait l'option de dialogue.
Vous auriez une carte de quoi remonter? Une carte? Ah, je suis désolé, seigneur. Je n'en ai pas. Et celle-là, sur le mur? Ah, c'est une carte archéologique, seigneur. Bien sûr. Elle ne servira pas à des touristes. Je reviendrai. Bien sûr, je la menace, je reviendrai. Pour le moment, je n'ai plus rien à lui dire. Ah bah, c'est agréable. Qu'est-ce qu'on peut faire? Un placard? Oui, mais il est là, lui, donc je peux pas aller là-bas. Pas question que j'aille inspecter ce passage tant que D'accord. Le général sera assis là. J'essaie de lui reparler. Je pense que le placard, c'est mort parce qu'il y a le mec qui est à côté, donc ce serait complètement con. Ah. J'ai pu aller voir votre prisonnier? Les condamnés n'ont pas les droits aux visites, seigneur. Condamnés? Condamnés à quoi? À mort. Ah bon? Il va être exécuté. Et avec la poisse que j'ai, c'est moi qui vais devoir faire le sale boulot. J'en toucherai deux mots à Amnesty International. Mais grave. Je croyais que Miguel avait été arrêté parce qu'il jouait de la musique interdite. Si, seigneur. C'est exact. Et on le condamne à mort pour ça? Non. Vous croyez qu'on est fou? On est fou ou quoi? Quand on l'a interrogé, il a avoué qu'il était un agent anti-gouvernemental. À plus tard. Cette info peut être intéressante pour ensuite reparler à Dwayne. De toute façon, on va essayer de reparler un peu à tout le monde, là. Même les mecs qui jouent de la musique, vu qu'on a rencontré le frère, donc ça peut être pas mal. On va essayer de faire eux, Nicole, Pearl, Dwayne et le professeur aussi. Ah voilà, le général. Parlez-moi du général. Vous savez, le type qui dirige ce pays. On n'a rien à dire sur lui, seigneur. Ah bon? Pourquoi? Personne ne peut vous entendre, à part cette vieille chèvre. Nous avons un dicton à Quaramonte. Ne dis pas à ta vieille chèvre ce que tu ne veux pas que ta femme apprenne. Qu'est-ce que cela veut dire? Aucune idée. Si la chèvre parle un jour. Est-ce que je peux lui dire quelque chose? Je n'ai plus rien. Ok. On va repartir par là. Je sais pas si on aura un truc à dire à... Ah, le prof s'est barré. C'est bien ce que je disais, à un moment, il se barre. Vous n'avez vraiment jamais entendu parler de la Condor? Bien sûr que si, fiston. En fait, c'est l'enquête du vieux Dwayne. C'est ça, il n'a rien dit, parce qu'il y avait le prof à côté, je pense. Vous avez trouvé des preuves sur le trafic de drogue de la société Condor? De la drogue? Certainement pas. Condor était une entreprise spécialisée dans le trafic de vestiges mayas. Alors, qui se cache derrière la Condor transglobale? Elle appartenait à un certain Aidan. Vous avez retrouvé ce type? Je ne pense pas qu'il s'agisse d'une vraie personne. Aidan, à l'envers, ça donne Nedie. Et en espagnol, ça veut dire personne. Ils sont allés très loin. Je me trompe peut-être, mais j'ai l'impression que vous avez été plutôt évasif quand je vous ai parlé du contenu de votre camion. Bon sang, bien sûr que j'étais évasif. Pourquoi irais-je crier sur tous les toits ce que je tremble? C'est ça. George, je suis actuellement en mission confidentielle top secret pour l'oncle Sam. Ce camion est une véritable bombe roulante. 200 kilos d'engrais à base de nitrate avec un détonateur pour plastique. Ils l'entendront péter jusqu'en Chine, fiston. J'ai vraiment envie de voir ça. Ils l'entendront péter. C'est à cause de Miguel que vous êtes ici? Rien ne t'échappe, toi. Je devais le rencontrer. Mais le temps que je le trouve, il croupissait déjà en prison. Depuis, j'essaie désespérément de le faire sortir. Ça me paraît jouable. Je suis avec vous sur ce coup. Tu es un bon garçon, George. La seule chose dont j'ai besoin, c'est d'un détonateur. Ouais. Pourquoi avoir apporté autant d'explosifs, mais pas de détonateurs? C'est un peu con, ouais. Tu vas me trouver démodé, mais je persiste à penser que c'est aux femmes de remplir les coffres. J'ai laissé Pearl faire les bagages et maintenant, je ne retrouve plus rien. J'espère au moins qu'elle a pensé à prendre le produit pour nettoyer mon quartier. Il n'y a rien de plus terrible que de rentrer aux États-Unis avec du goudron dans les dents. Mais attends, le dentier, tu veux pas le nettoyer avec du dentifrice? Bah, pour dépanner, quoi. Ah oui, c'est vrai, il y a les fenêtres. Cette cellule est vide. Mais je crois que c'est celle qui est derrière le camion, du coup. L'homme qui dort dans cette cellule a une expression vraiment tragique. Miguel. Ah non, c'est lui. Hey, Miguel. Il ne m'entend pas. L'homme qui dort, Miguel,
Attendez. Il ne m'entend pas. On lui lance la culotte. C'est le truc. Alors, on lance la culotte sur la tête. Ça marchera. Est-ce que je peux... Je sais pas. Je sais même pas. Je jette un bout de charbon. Comme ça, ça sert à rien, je pense. Et attends, si je tourne par là, il se passe quoi? Les trois Journeyman Project sont abandonware et tu peux les télécharger gratuitement. D'accord. Ouais, ouais, sur le site, là, abandonware ou je sais pas quoi, là. Ah oui, il faut que je note, c'est ça. J'ai beaucoup trop de notes, hein, là. J'ai 15 post-it. Ouais, tu disais ça tout à l'heure. Donc, attends, Journeyman Project. Je vais regarder à quoi ça ressemble, en fait. Ah bah non, j'ai fait le tour. Ok, ça ne sert strictement à rien. Est-ce que je peux reparler à Nico? Et il y a le vendeur aussi là, là. Peut-être lui, on peut faire quelque chose avec lui. Faut que je regarde la carte, faut que je puisse accéder à Miguel. Pour le moment, je n'ai plus rien à lui dire. D'accord. Je vais reparler à Pearl peut-être, parce que du coup, comme son mari m'a avoué que son camion était plein d'explosifs et vous tout. Avez du crabe? Non, que du poisson. Sympa les poissons. Merci. Si par le plus grand des hasards, j'ai besoin d'un poisson, je viendrai vous voir. D'accord. Vous reconnaissez cette statue? Si, seigneur. Elle porte malheur. C'est Escalipoca. Mec fait peur à tout le monde. De la nuit. Il paraît, mais je ne crois pas à la chance ou à la malchance. Attendez un peu, vous finirez bien par y croire. Ce type a l'air terrifié. Et chez moi le camp. En fait, on fout la merde partout où on va vraiment. C'est ouf, quoi. J'ai peur aux gens et tout. On va reparler à Pearl. Ah, yes. Vous savez que votre camion est plein d'explosifs? Je vois qui a pu te mettre cette idée en tête. Oui, c'est votre mari. Mais il exagère, n'est-ce pas? On se demande parfois comment j'arrive à supporter l'imagination débordante. Je pense que c'est vrai. Vous savez où je pourrais trouver un détonateur? Est-ce que ça a quelque chose à voir avec Dwayne, par hasard? Oh, je vois. C'est pour faire exploser notre camion bourré d'explosifs, c'est ça? Allons, je plaisantais. Vous n'avez tout de même pas cru que j'étais sérieux? Vous, les garçons, vous êtes tous pareils. Dès que vous êtes ensemble, les bêtises commencent. Dwayne affirme qu'il pourrait faire disparaître tous les problèmes de la planète s'il avait assez de missiles. À plus tard, Pearl. Après, c'est pas faux, hein? Tu fais disparaître tous les gens, donc il n'y a plus de problème. Voilà. Et Nico, je ne peux rien lui dire. Attends, je vais essayer de lui en reparler, parce que là, comme on a appris le coup du camion et tout, peut-être qu'il y a moyen de lui reparler un coup. Pour le moment, je n'ai plus rien à... Super. Est-ce qu'on peut parler aux gardes, peut-être? Parce que je crois qu'il n'y a pas d'autre endroit où aller, hein. Lui, ça sert à rien. Ah! Nuestra signora, c'est la présidente, n'est-ce pas? Si, señor. La dame de fer de Quaramonte. C'est elle que j'ai vue sur les affiches, alors. En effet, elle a fière allure, n'est-ce pas? Si on aime les femmes grosses et militaires d'un certain âge, oui. Si, señor. C'est mon cas. L'autre, ça l'offusque absolument pas, bon, en plus. Hein. Et qu'a fait la présidenta pour son pays, à part lui interdire sa musique? Mais regardez autour de vous, señor. Ce port magnifique, ce centre commercial. Mais surtout, elle nous a apporté... Un centre commercial? La prospérité. Ah bon? Où ça? Pour la première fois dans l'histoire de Quaramonte, nous faisons de l'export. D'accord. La gueule du centre commercial, hein. Tu pourrais pas faire un truc avec la chèvre? Ah, biscuit peut-être? Pas de biscuit? Bon, ça. Qu'est-ce que c'est? C'est un morceau de charbon porte-bonheur. D'où charbon? Je préfère le chocolat. Ou autre chose, tant qu'il n'y a pas de la pâte d'amande dedans. Beurk! Je déteste la pâte d'amande. Tu parles? C'est horrible. Je veux dire, tu sais bien parler pour une chèvre. Moins fort. Mais ça doit rester entre toi et moi, d'accord? Oui. Je ne plaisante pas.
Si tu racontes que tu m'as parlé, tout sera maudit jusqu'à la septième génération. Qui c'est qui se fout de ma gueule, là? Attends, c'est ouf. Il y avait ça dans le 2 original. Exceptionnel. Je sais pas ce que je peux lui montrer, est-ce qu'elle me parle du coup? Pas du tout, non, c'est juste le charbon, ça l'a un petit peu... Ah, il y avait ça, putain, c'était excellent. Ouais, mais est-ce que j'avais essayé de parler à la chef, tu sais, de lui donner vraiment le charbon? Parce que là, ça se déclenche avec un truc. Ça se trouve, je l'avais pas vu. Hein. Ça me dit rien du tout. Je pense pas que je l'aurais oublié. Ah, parce qu'après, le reste, je pense qu'elle s'en fout. Hein. C'est trop bien. Ouais, non, c'est mort. Bah, je pense que je vais faire une toute petite pause pipi. Et puis, on va reprendre un petit peu. Hey, Nico. Ah, mais voilà, faut que j'essaie de voir si je peux parler à Nico dans le truc de police. Je me souviens plus si je peux. Je vais voir. On attend qu'elle arrive, Micheline. Pour le moment, je n'ai plus... Ah ouais, tu vois, on peut pas lui demander ça, quoi. Bah écoutez, je fais une petite pause et puis on reprend tout de suite. Ok, alors on reprend. Il va falloir que j'essaye de voir s'il y a quelque chose que j'ai loupé ici. Donc ça, c'est documents, il s'en fout. Il y a le poste. L'autre, il dort, donc je pense pas qu'on puisse le réveiller. Il y a la télévision. C'est un ordinateur avec un vieux jeu ringard à l'écran. Je n'ai pas le temps de faire une partie sur l'ordinateur. Et déjà, c'est top que dans le 2, on puisse revenir sur d'anciens lieux, revoir d'anciens persos et tout. Est-ce que lui, je peux lui dire autre chose? Je sais pas. Ok, ça marche, Gavark. Je lui ai demandé tout ce que je voulais savoir. Merci beaucoup pour le lurk, des bisous. Et puis bonne journée. Qu'est-ce que je peux faire? Non. Attends. Ce n'est pas ça du tout. Je ne suis pas... Non, pas du tout. Je ferais mieux de réfléchir. Il n'y a pas un truc que je dois mettre l'un sur l'autre à un moment? Non, et non. Non, je dois trouver autre chose. Non. Vous proposez des trucs à Dwayne en mode détonateur? Je n'ai plus rien à lui demander. On a un peu épuisé tout avec tout le monde, hein, mine de rien. Le coup de la chèvre, c'était drôle. Une tarot, c'est ça. Je crois qu'on pouvait lui parler. Je crois qu'on pouvait lui parler à travers le... Ce n'est pas dans mes habitudes de voler des camions. À travers les barreaux. J'ai rien d'autre à lui demander. Ouais, tu vois, j'ai rien d'autre à lui demander.
c'est la fenêtre. Est-ce que je peux lui jeter un truc à la gueule, non? Ça se tente, hein. Je vais jeter un biscuit pour chien à travers la fenêtre. Qu'est-ce que j'aime? Oh, mais il dort. Qui dort dans sa mégouère. Il dort. Je sais qu'il fallait que je libère Miguel et en même temps que je vois la carte pour pouvoir... Ah, c'est compliqué. J'ai plus rien à dire à personne. Donc, soit c'est une combinaison d'objets qui me manque. Soit c'est... Je n'ai rien d'autre. Parce que là, je fais le tour. Donc c'est inutile, il y a les photos. Ah mais je veux pas voler l'affiche. Pas mauvaise idée. Il y a le garde qui est là, je vais déjà parler. Ça c'est vide. Je sais pas si je peux essayer de reparler aux gens. Vous avez changé d'avis, combien voulez-vous? Aucun, mais venez pas. Ce type ne m'est... Ouais d'accord, ok. Aucune utilité. Elle, mais elle aussi je pense qu'elle est d'aucune utilité. Qu'est-ce que j'avais fait à l'époque? Je vais associer les objets ensemble. Il doit y avoir un truc. Ou alors je peux aller par là. Pas du tout. Pas du tout, c'est bloqué. Je crois que j'avais associé des objets ensemble. Ou alors il faut que j'utilise un objet sur un autre truc. Je sais pas. Je parie que ce type... Je vais essayer. Hein. On essaie la vieille méthode ça du tout sur tout, bien sûr. Je ne suis pas persuadé que... J'ai tout faux. Non, non, non. Non, non. Pas persuadé, hein. Pas persuadé, mais... Je ferai mieux de... On tente, hein. C'est la statue en silex de Tezcatlipoca trouvée à Marseille. Tout à fait. Je suis entièrement d'accord avec toi. Donc, je peux pas passer le port parce qu'il me faut le visa. La chèvre, on a fait le petit truc marrant. On a parlé à tout le monde. C'est... Mais purée, attends. Hey, Nico. Mais oui, je me disais bien qu'on pouvait rentrer là-dedans, purée. J'avais un doute, c'était là ou un autre moment, en fait, dans la ville. Mais non, c'était bien là, putain, en fait. Tout ça, on ne l'a pas fait, quoi. Bon, c'est pas grave. Du coup, au moins, on a tout épuisé avec tout le monde pour l'instant. On est tranquille. Alors... Hola, señora. Salut, nous étions en train de nous demander... Salut. J'ai parlé à la demoiselle, Chico. Tout le monde la kiffe, hein, Nicole. Salut, je m'appelle Nicole Collard. Concha García. En quoi puis-je t'aider, petite sœur? La compagnie que je représente envisage de faire des investissements très importants à Quaramonte. Vous êtes à la tête d'une entreprise prospère et j'aimerais connaître votre point de vue. Mon assistant, Monsieur Stobart, a quelques questions à vous poser. Vous auriez un détonateur en stock? Bien sûr. Qui demande ça? Ils sont dans les placards. Vous ne pourriez pas m'en donner un par hasard? T'es donné ça? Oui, c'est vrai qu'ils sont dans un truc de mine. Il me faudrait vraiment une bonne raison pour le faire. Vous avez entendu parler d'un certain Karzak? Non. Qui est-ce? C'est à cause de lui que nous sommes à Quaramonte. Nous pensons qu'il est à la tête d'un trafic de drogue. Alors, j'espère que vous le retrouverez. Mais je n'en ai jamais entendu parler. Que savez-vous au sujet de l'accident de la mine? Un accident? C'était du sabotage. Quelqu'un voulait me faire fermer la mine, et définitivement. Vous avez une preuve qu'il s'agissait d'un sabotage? Pas encore. Mais j'en trouverai une, ça je vous le promets. J'avais des problèmes avec la mine depuis plusieurs mois. J'avais de moins en moins d'ouvriers. Quelqu'un a lancé une rumeur comme quoi la mine était maudite. Maintenant, l'exploitation est complètement arrêtée. Eh ben dis donc, sympa. Où est cette mine? À plusieurs jours, en amont de la rivière, dans un endroit reculé appelé Teoculcan. Vous connaissez le professeur Houbier? Oui, j'ai cru comprendre qu'il était sur le point de partir pour une expédition archéologique. Il m'a loué du matériel il y a quelques heures. Je l'ai surpris en train de discuter avec le général. Je pense qu'ils travaillent ensemble. Quoi? Si j'avais su, ouais. Je ne lui aurais rien loué. Mais pourquoi le général s'intéresse-t-il à une expédition archéologique?
Dans son bureau, le général a une carte dont il discutait avec Houbier. Peut-être que cette carte nous dira où ils se rendent. Peut-être, mais je ne pourrai pas m'en approcher ouais. tant que le général et son acolyte seront là. Vous voulez un biscuit ? Et après tout ça, tu sais. Après tous ces trucs sérieux. C'est ça. Est-ce que cette pierre vous dit quelque chose ? Il s'agit d'une pierre sculptée par un prêtre maya, non ? Je ne sais pas lesquels de leurs nombreux dieux elle représente. Vous savez quelque chose sur cette statue ? C'est Escalipoca, les dieux de la mort et de la pointeur. Cette idole est considérée par beaucoup comme un mauvais présage. Vous voyez ça ? C'est mon morceau de charbon porte-bonheur. Bien sale. Quel bonheur te porte-t-il ? Aucun pour l'instant. Le truc grave sale à avoir dans ses poches, quoi. Ah, qu'est-ce qu'il fait, lui ? Il est vraiment ah, putain, c'est vrai. C'est vrai que l'autre, il se balade en string, quoi. Non, mais... Enfin, en culotte, mais what the fuck ? Vous reconnaissez il est vraiment horrible, elle a dit, quand même. C'est celui de la Condor Transglobale. Est-ce que cette compagnie a des intérêts ici à Quaramonte ? Oui. Elle exploite un vieux bateau des marchandises, le Princesse Maya. Savez-vous qui est propriétaire de la Condor Transglobale ? Je n'en ai aucune idée. Vous avez entendu parler de l'éclipse qui va avoir lieu ? Je ne m'intéresse pas beaucoup à ce genre de choses. Demande plutôt à un de mes gars. Je pense que si on lui propose la culotte à l'autre, il va être content. Culotte, on dirait qu'elle est à votre taille. Tu essaies de faire fonctionner mes zygomatiques, Chico ? Je suis sérieux. C'est un cadeau dont personne, mais alors vraiment personne ne veut. Range-la. Elle a l'air de t'exciter. Bon, on a parlé de tout avec elle. On va lui parler à lui, du coup. Hein. Salut. Bonjour. Bienvenue à la Quaramonte Mine Consolidate. Pourquoi c'est en string, monsieur ? Si vous restez quelques jours à Quaramonte City, je vous conseille la grande aventure de la mine. C'est une attraction multimédia dans la plus profonde de nos mines. Et vous avez les choix entre trois langues différentes pour les guides. Une visite de la mine ? Si. Vous êtes dans une compagnie minière. Vous vous attendiez à autre chose ? Vous utilisez des explosifs dans une compagnie minière, non ? Pas dans les services comptabilité à ma connaissance. Vous savez quelque chose sur une prochaine éclipse solaire ? Moi ? Non, seigneur. Savez-vous où se trouve le seigneur Karzak ? Non, seigneur. Pourquoi vous n'avez pas de pantalon ? Il me semble plus agile si il n'en porte pas. Un peu sur le qui-vive. Et votre patronne ne dit rien ? C'est elle qui me l'a suggéré. Mais c'est un peu troublant quand même. C'est pas un peu du harcèlement ? C'est un peu troublant de ne pas avoir de froc comme ça. Attends, on lui a pas proposé la culotte ? Moi, je veux lui proposer la culotte. Rien à demander à ce type. Oh non, ouais, c'est trop triste. Rien d'autre à demander à ce type. Alors, est-ce qu'on peut parler à Nico pour lui demander de faire la distraction ? Je n'ai plus rien à lui dire. Pas du tout. J'aurais bien distrait le mec. Et eux ? Je pense qu'il n'y aura rien. Hein. Même pas d'objet, rien que je puisse piquer. Ils s'en foutent de moi, je crois. Vous vous intéressez à l'éclipse solaire qui va avoir lieu ? Pas spécialement. Et vous ? Je ne sais pas, je n'en ai jamais vu. Tout ce que je sais, c'est qu'il ne faut pas regarder une éclipse sans se protéger les yeux. Bah, ça suffit. Laissez-moi travailler maintenant. Vous savez où je pourrais trouver un détonateur ? Bien sûr, dans le placard derrière la patronne. Mais elle ne vous laissera pas le prendre. C'est compter sans mon charme américain. Je voudrais voir ça. Vous connaissez un certain Karzak ? Vous ne voyez pas que j'ai du travail ? Si je ne boucle pas cet inventaire, la patronne va me faire ma fête. Fête, ouais. Le mec, on l'emmerde pour lui parler de d'éclipse et tout, quoi. Il faut qu'on se casse. Donc, on va essayer de reparler peut-être à bah, Pearl et tout. Et repartir voir le général aussi. Vu que là, on a appris de nouvelles choses, ça peut être pas mal. Donc, Nicole, il n'y a rien à faire avec elle, on est d'accord ? Ah,
Ah, si, la carte. Pourrais-tu distraire le général voilà. pendant que je jette un coup d'œil à la carte? Tu plaisantes? Tu n'as pas vu qu'il est prêt à me sauter dessus? J'ai remarqué. Tu feras une excellente charmeuse de serpent. Allez, 5 minutes, c'est tout. Bon, peut-être. Mais c'est ton plan. C'est toi qui parles. D'accord. Ah, enfin, ok. Donc, fallait sortir de là pour qu'il parte du principe que, voilà, ça valide que j'ai bien parlé de la carte avec la... Avec la nana. On va sauvegarder. Et on lui parle. Mon ami a une faveur à vous demander, général. Pour vous, ma chère, tout ce que vous voudrez. Et hop, on regarde la carte. J'ai changé d'avis. Oh non, tu n'as pas changé d'avis. C'est ça. Elle est timide, général. Elle n'ose pas vous demander une interview. Une interview? De moi? Fabuloso! Eh bien, je voudrais écrire une sorte de biographie. Tu entends ça, Rinaldo? Un ouvrage de référence sur ton général adoré. Oui, seigneur général. Faites vos recherches ici. Je retourne dans mes appartements et je ne veux pas être dérangé. Tu me paieras ça, Georges Stobart. Ouais. Ne t'inquiète pas. Si je ne te revois pas dans une heure ou deux, je viendrai te chercher. Une heure ou deux? La pauvre. Bon, du coup, il reste que lui. Mais lui, je sais pas si on peut pas lui... peut-être lui donner un biscuit, non? C'est le truc horrible. Là, il est parti, le mec. Il peut bouffer. Coucou Mickey, mais oui, mais grave. Laissons tomber. Tellement de bons souvenirs, quoi. Le ce placard. Ouais, par contre, j'aimerais bien jeter un œil. Alors, par contre, la carte, du coup. La carte et le prisonnier. Et Miguel. Non, seigneur. Le général a dit que personne ne devait voir ce plan. Il ne le saura pas si vous ne dites rien. C'est que vous ne le connaissez pas, seigneur. Il découvre tout aussi facilement qu'on se décrotte le nez avec le petit doigt. Ouais, bon, d'accord. Il faut que je me débarrasse de ces types. Purée, maintenant il reste lui. Comment je peux me débarrasser de lui? Bah, je vais essayer de lui parler. Il y a peut-être moyen, hein, en lui parlant. Ah, tiens. Vous pouvez emmener mon ami à la pyramide maintenant que le général n'est plus là? Avec plaisir, seigneur. Merci beaucoup, je vais la chercher. Eh ben voilà, nickel. On va aller demander à Pearl. T'avais arrêté au troisième, tu t'avais pas mal déçu. Et t'as installé le 4 il y a peu de temps. D'accord, et du coup, tu as joué au 4 ou pas encore? Moi, j'avoue que le passage à la 3D, ça m'a pas tellement plu. C'est vrai que les critiques étaient pas forcément excellentes. Et j'ai jamais joué. J'avais pas eu l'occasion à l'époque. T'as commencé, d'accord. Et qu'est-ce que t'en penses du coup du début? Je me suis arrangé pour que vous puissiez visiter la pyramide, Pearl. Pourquoi tu ne viendrais pas avec moi, Giorgio? J'aimerais bien, mais pour l'instant, je dois sauver la planète. Écoute, mon chou, je cherche désespérément un guide pour m'emmener à la vieille pyramide. Pour une belle femme, je serai prêt à aller au bout du monde. Pour une personne comme vous, j'irai jusqu'à la pyramide. Mais, oh, mais il est agressif, lui. Et votre mari, alors? Ce qu'il ignore ne peut pas lui faire de mal, n'est-ce pas? En avant, fil de fer. D'accord, bah c'est le 3 qui t'avait vraiment bloqué. Ok. Bah ouais, non, mais... Je sais pas. Tu me diras ce que tu penses pendant du 4, du coup. Ronaldo se dirige vers la pyramide, je file à la gendarmerie. Mais qui est à la gendarmerie, là? Alors, attendez, parce qu'il y a plein de choses, là. Bon, je pense qu'on pourra jamais ouvrir le coffre et tout, mais... Ça se tente. On dirait une carte géologique du sud-est de Coromante City. À une centaine de kilomètres à l'intérieur des terres, en remontant la rivière, il y a un endroit appelé Teolkulkan. Merci beaucoup, Oskmer, pour le follow. Bienvenue sur la chaîne. J'espère que tu vas bien. Du coup, ça c'est fait. Le meuble est probablement verrouillé. Ah d'accord, donc ils testent même pas d'essayer de l'ouvrir. C'est verrouillé, crotte, voilà.
Ok. Décalé, hop. Est-ce que je peux essayer... Oh, il y a un fax. Ah non, ça, ça marche pas, ça sert à rien. Le coffre-fort est très certainement fermé à clé. Donc on va juste aller voir Miguel, alors. Voilà. Coucou Miguel. Ah, il a déjà une corde. On est sur quel type d'ambiance, là? Impossible d'atteindre la lumière. Ah, est-ce qu'il fallait pas acheter un truc? Si, si. Impossible d'atteindre la corde. Je crois qu'il fallait faire un... Il nous écoutait pas, non? Il n'y a pas un truc comme ça? Je m'appelle George Stobart. Tu es Miguel, le musicien, n'est-ce pas? Ex-musicien, signor. Ma carrière est terminée. Au contraire, Miguel. Certains musiciens ressortent grandis de leur séjour en prison. Signor, je préfère mourir que de vivre dans la honte. Pourquoi la honte? Tu connais un certain Karzak? Oui, le vieil homme a parlé de lui. L'étranger, le professeur Oubier. C'est ça. Cet homme, Karzak, c'est le patron d'Oubier. D'accord. Et pourquoi il y a une corde? C'est quoi cette corde accrochée au barreau? Rinaldo l'a installée pour que je m'épande. Oh, ne pleurez pas, Seigneur Stobart. Quand je serai mort, la déesse emportera mon âme au paradis. Pas sûr. Qu'est-ce que je devrais faire avec la lumière? Est-ce que je casse la lumière? Je sais pas. Je crois qu'il y a un truc à faire, mais je suis pas sûre. Là, on lui a parlé à lui. J'ai pas ce qu'il faut, de toute façon, pour faire... Je ne pense pas. Je vais essayer de reparler à Dwayne. Parce que là, Nicole, elle est partie avec machin. Pearl, elle est partie avec l'autre mec pour faire la visite. Donc, il me reste Dwayne. Dwayne, je vais pas parler. Là, on a vu en prison que l'autre, il était dans le mal. Regardez. Dwayne. Ah non, je vais retourner voir la nana. Pour le détonateur. Je n'ai rien d'autre à lui demander. Ouais, si. On va retourner voir Micheline. Pour, parce qu'il fallait qu'on découvre quelle zone était indiquée sur la carte, ça permettait de savoir où chercher. Du coup, je pense que si on lui demande, si on lui dit, si on lui donne l'info, il y a moyen qu'elle nous file un détonateur. Voilà. J'ai réussi à jeter un coup d'œil au document sur le mur de la gendarmerie. C'est une carte de Quaramonte. Est-ce que ça nous dit où est parti Oubier? Oui, dans un endroit appelé Teoculcan. Mais c'est là qu'il y a la mine. Je me demande pourquoi ils font autant de mystères avec la mission d'Oubier. Une chose est sûre. Si les généraux s'en mêlent, c'est qu'ils préparent un mauvais coup. J'aimerais parler à ce musicien Miguel. Prends le détonateur et sors-le de cette prison. Ah, merci, c'est gentil. Pardon, Mickey, du coup, je me rends compte que j'ai pas lu et tu disais que le 4, ça a l'air mieux, même si visuellement, c'est perturbant. Ouais, c'est ça. Moi, c'est ça qui me... Enfin, j'ai toujours trouvé ça un peu inutile. Ah non, il faut le détonateur, Jean-Mi, ne pars pas. Un peu inutile de faire de la 3D pour des point and click, dans le sens où il y a d'autres choses qui visuellement sont très jolies, sans forcément que ça ressemble à... Et pas à Assassin's Creed ou des trucs comme ça. Et je trouve pas que ça s'y prête spécialement. Ok, on a le détonateur. Hein, pouvoir aller le filer à Dwayne, qui va faire péter le mur, etc. Ok, ça marche. Eh ben écoute, bon jeu. Bonne prise de tête, bon jeu. Et puis bah merci pour le lurk, Mickey. Bisous. Éclate-toi bien. Let's go! Un des seuls trucs que je trouve bien, c'était qu'il y avait, dans les trucs à l'ancienne, il y avait le fait de pouvoir courir. Je crois. Heureusement que les environnements sont pas extrêmement grands. Voilà, on va te donner... je crois qu'on peut juste lui parler, non? Ouais. Voilà le détonateur, Dwayne.
Et t'entends la chef derrière. Fort, George. Tu veux que tout le monde t'entende? Fais prévenir Miguel que la cavalerie arrive. D'accord. Ça roule. Du coup, est-ce que je peux lui parler à travers les barreaux ou il faut que je retourne dans la gendarmerie pour aller lui parler? L'homme qui dort dans Miguel. J'aime pas parce que quand il le voit à travers les barreaux, il dort. Mais quand on va dans la gendarmerie, bah le mec, il est juste la tête dans les mains, en fait. Donc il dort pas. Il dort pas, il est dépressif, c'est pas pareil. Bah, il est déprimé. Miguel, tu vas sortir. Ne te pends pas, Miguel, hein. Voilà, on va lui parler. Hé, Miguel. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? On va te sortir de là. Qui ça, on? L'opération Delta Force? Non. L'opération Mission Impossible? Mieux que ça. Mais alors qui? Un vendeur de cartes de vœux de l'Ohio à la retraite. Je suis maudit. Aïe, aïe, aïe. Tu n'es pas le seul. Je savais que vous m'attireriez des ennuis dès que je vous ai vu arriver. Écoutez, je peux tout vous expliquer. Filez dans cette cellule, et vite! Et si je n'obéis pas? Il te tirera dessous. J'ai compris, je rentre calmement dans la cellule. Ah oui, moi je prends la cellule d'à côté, ok. Sage décision, sale bâtard nord-américain. Une des raisons de mon aversion pour les armes à feu, c'est l'impolitesse qu'elles entraînent chez les gens. C'est pas faux. J'espère que vous appréciez vos vacances, Seigneur Stobart. Va faire reluire ton flingue, Rinaldo. La petite insulte. Ça fait partie de ton plan, hein? Pour être tout à fait franc, non. Là, je suis à court de solutions. C'est à Nico de jouer maintenant. Alors, nous sommes... Oh là là, il est horrible. Vous vous êtes changé? Il met quelque chose de plus décontracté. Son eau de Cologne bon marché pire que du gaz lacrymogène. Alors, qu'est-ce que vous voulez savoir à mon sujet? Demandez et je vous répondrai. Je ne vous cacherai rien. J'ai très peur. Je suis en général très généreux. Vos amis doivent être contents. Vos yeux scintillent comme des étoiles. C'est son épouvantable eau de Cologne qui me fait pleurer. Le canapé touche à sa fin. Votre beauté n'a d'égal que votre esprit. Je vous admire. Tant qu'il m'admire de loin. C'est ça. Mais le mec a quand même pris la télécommande de la télé, quoi. Normal. Du coup, tu dis une bonne saga de point and click norvégien, The Longest Journey. Ouais, je connais Dragon X. Je connais, je crois que c'est sur ma liste de souhaits. Et du coup, il faut que j'ai le temps de checker. Et toi, t'as bien aimé du coup cette saga? Qu'est-ce qu'on peut faire? Lampe à lave, je crois qu'il n'y a pas grand-chose ici. Je ne veux pas de cette lampe. Ok, pas ce petit ton. Tac, 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 il y a le tableau. Je n'en veux pas. D'accord. La télé va me faire « Je n'en veux pas ». Je n'ai aucune envie de regarder un site comme débile. Ça change. Alors, la lampe. Ah oui, c'est pour avoir des... Oui, mais elle est beaucoup plus impressionnante dans l'obscurité. Je vais fermer les volets. Non, non, ne fais pas merci. Ça, il fait si beau. Qui est cet homme avec le chapeau et le gros cigare? C'est ma mère. Ma mère. C'est ça. Qui est cet homme? C'est ma mère. Ah. J'aime bien votre téléviseur. Ah oui, sympa, non? De quoi je peux lui parler? Ah oui, il y a l'espadon. De plus près, on peut voir que l'espadon est criblé de balles de mitrailleuse. Un vrai sportif, ce général, pas de doute. Le pauvre. C'est une peau de tigre étalée par terre. Je crois que c'est tout. La télé est super forte. Pas sympa, il y a deux mondes à explorer, un monde futuriste et un monde heroic fantasy. D'accord, ok. Et au niveau du rythme, tu trouves que c'est bien? Parce que j'avais un peu peur, en fait, en voyant le jeu, que ce soit un peu, tu sais, un peu lent, tu vois. Quel gros poisson! Vous l'avez pêché vous-même? Pêché? La canne à pêche, c'est pour les enfants. Alors comment?
Ces trous, ce sont des balles? Il est vidé deux chargeurs. Un sacré combat. Ah, c'est sa mère. Maman. Qu'est-ce qui se passe ici? Oh, rien, maman. Il était... Je suis en uniforme. Et quand je suis en uniforme, c'est... Ah, madame la présidente. Désolé, madame la présidente. Bon. Qu'est-ce que vous fabriquez? Oh, rien, madame la présidente. J'ai montré à mon ami Nico quelques-unes de mes merveilles. Salut. Bonjour, señorita. Quelles sont vos intentions vers mon fils? Mes intentions? Nous sommes simplement en train de bavarder. Comme c'est mignon. Elle est bien bâtie, Raoul. Et dans sa tête? Elle est journaliste. Ah oui. Et quel genre de questions elle pose? Je suis une journaliste freelance. Je fais des portraits de personnalités. Pour quel genre de magazine? Il vaut mieux faire idiote. Ouais. Idiote bien bâtie. Galant, la vie des stars, ça. Voilà magazine. Excellente, Raoul. Tu as fait le bon choix pour une fois. On voit bien qui tire les ficelles ici. J'espère que Georges utilise bien le temps que je lui accorde. Et après, ça fait... Et l'autre, il raconte sa vie, en fait. Quand tu étais dans ce groupe, tu jouais cette chanson pendant 2 heures. Ouais, on était très célèbres dans notre université. Mais ce n'était pas aussi bien que le morceau original. Je n'ai jamais entendu cette chanson avant, mais elle ne peut pas être pire que ça. Psst. Hey, George! Dwayne Henderson, quel plaisir de vous retrouver. Allez voir le consul américain et dites-lui comment j'étais en prison sans aucun motif. Je crois pas alors, que ça a marché. George, arrête cette plaisanterie. Le consul était l'ancien occupant de la cellule où tu te trouves. Compliqué. Il va falloir utiliser la bonne vieille méthode américaine pour te sortir de là. Mm-hmm. Et je compte aussi employer ce camion plein d'explosifs. Oh, Dwayne. Dwayne, écoutez-moi. Vous allez tous nous réduire en poussière avec ça. Ça que tu peux être pessimiste, George. Tout va rouler comme sur des roulettes. En fait, je crois que ce sont les gens négatifs qui attirent les catastrophes. Attendez, je dois me mettre à l'abri. Miguel, vite, couche-toi sous le matelas. Ah oui? C'est comme ça qu'on fait dans le Nord? C'est parti, mon kiki. Trop tard. Bruit insignifiant. Ça y est, nous sommes morts. Bon sang de bonsoir. Qu'est-ce qu'ils ont, vos explosifs? Ce ne sont pas des explosifs. Cet abruti de vendeur a dû me refiler de l'engrais au lieu de produits chimiques. Maintenant, je me retrouve avec 200 kilos de pommes chevalées légèrement carbonisées. Quelle jolie métaphore, Dwayne. Mais ce n'est pas grave, je trouverai autre chose. Du coup, tu dis Dragon X, c'est lent, mais c'est bien. D'accord. Faudrait que je jette un œil aussi. Un jour ou l'autre, je les ferai. Hein. Écoutez, je fais une dernière petite pause et puis on va essayer de s'échapper de prison, de passer à l'autre étape, au moins pour cette session. À tout de suite. Ok, on est reparti. Tu dis sur Steam, c'est pas doublé en français, d'accord. Ouais, mais t'as au moins les sous-titres, quoi. C'est déjà ça, je pense. S'il y a au moins ça, c'est déjà très bien. Ah ouais, la porte, je crois que c'est mort. Le verrou. Est-ce que le verrou, on peut pas le forcer avec... La porte est verrouillée. Ouais, ouais, avec notre petit truc, là. Pas du tout. Ah, on a pas les tout. Pas question que je m'abaisse à utiliser cet horrible seau. Sauf si j'en ai vraiment trop envie. Impossible de m'évader par là. Eh, faut qu'on parle avec Miguel, hein.
impossible d'atteindre la corde. D'accord. Ouais, mais c'est sur... Oh, j'ai plus le nom du site, mais il y a un site sur lequel t'as les... T'as plein de patchs. Je crois que je vois... Je crois que je vois lesquels. Écoute, Miguel, si tu me donnes cette corde, je le ferai sortir d'ici. Où peut-on se cacher pour échapper au général? Mes amis ont un bateau qui m'attend pour remonter la rivière. Mais comment compte-t-on sortir d'ici avec cette corde? Je ne sais pas, mais le joueur trouvera bien quelque chose. Ça, le joueur. Allez, donne-moi la corde. Voilà, qu'on essaie de faire un truc. Alors, avec quoi je vais mettre la corde? Si ton plan échoue, tu me laisseras me pendre tranquillement. Oh non. Non, non. On ne cautionne pas ça. Avec quoi je... Alors, est-ce que j'attache pas la corde à ça? Si. Il faut qu'il le mette à son camion et qu'il tire, non? Je crois que c'était ça. Ouais, j'ai c'est ça. Je n'ai rien d'autre à lui demander. Mais si! Dwayne, je voudrais que vous attachiez cette corde à votre camion, puis que vous démarriez. Je ne sais pas si ça marchera, mais j'ai vu ça dans un western en noir et blanc. Bon, c'est vrai, Opalong le faisait avec son cheval, alors que Dwayne a un 4x4. Mais c'est l'idée qui compte. Comme tu voudras, George. Excusez ma mère, elle peut être difficile parfois. Aïe, mille pieds! Raoul, demande-la en mariage, espèce d'idiote. Ne vous occupez pas d'elle. Non. Elle veut juste des petits-enfants. Et entends ce que tu dis, Raoul. Ce qui elle veut, c'est un digne successeur. Et ce n'est pas toi. Demande-la en mariage. Sympa. Sinon, il va le faire à ta place. Écoutez, Nico, nous ne nous connaissons pas depuis très longtemps, mais... Bon sang, qu'est-ce que c'est? Le bruit que ça a fait. Je suis certaine que George est derrière tout ça. Ah oui, d'accord, ils sont juste en haut, en fait. Okay. Pas besoin de faire de commentaires. Ce fracas de maçonnerie se suffit à lui-même. Dépêchez-vous, seigneur. La rivière. Hein? Attends. Et Nico? George! Qu'est-ce que tu as fait? Tu devais jeter un coup d'œil à la carte et maintenant c'est la Troisième Guerre mondiale. Je n'ai pas le temps de t'expliquer, viens. Plus un geste, racaille terroriste. C'est à moi que tu causes, petit? Oui, à toi, le gros. Et je ne m'appelle pas petit. Je te préviens, petit, si tu agites encore ton pistolet à eau sous mon nez, tu vas te retrouver avec un nouveau dentier. Tu saisis? Général, je suis heureux de vous informer que j'ai appréhendé les terroristes. Triple idiot, pas eux! L'autre américain et la française, ce sont eux les responsables. Lorsque j'ai repris conscience, j'étais tout seul, échoué comme une baleine sur la berge du fleuve. J'avais un mal de tête terrible et un goût de marécage dans la bouche. Échoué comme une baleine. En cherchant l'origine de ce bruit, je tombe sur une cabane perchée en haut d'un arbre. Ah, ok. Bah écoutez, moi je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. On a bien avancé dans le jeu, je sais pas si on est à la moitié ou pas. Bon, en tout cas, on est quand même pas mal loin dans l'aventure. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à suivre la chaîne pour être au courant des prochains lives.
Le prochain arrive mercredi à 12h, donc on va continuer Les Chevaliers de Baphomet 2, bien sûr. Alors, hop. Et puis, bah, du coup, merci à Lone Wolf, Dragonix et Oskmaer pour les follow. Merci beaucoup. Moi, je vais vous laisser là. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Je vous fais des bisous. N'hésitez pas, si ça vous dit, à rejoindre le Discord ou à me suivre sur Twitter. Publie le planning, des petites conneries, pas mal de choses. Ça peut être assez cool. Et puis, bah voilà, je vous fais des bisous. Je vous dis à mercredi 12h pour la suite du jeu. Merci beaucoup, Camélique. Bisous. Bisous à tous les lurkers. Merci à tous ceux qui ont suivi le live, qui ont participé, qui ont lurké, etc. Merci pour les follow. À mercredi 12h pour la suite. Des bisous. Et puis, bonne fin de journée à vous. Bisous.